Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, le seul média qui chaque été vous propose en direct et en exclusivité les rencontres des test matchs du Castres Olympique qui ce soir va jouer face à l'équipe de Pro D2 de Mont-de-Marsan. Et pour m'accompagner avec moi, honneur aux dames, une belle brochette avec d'abord Zaza, notre spécialiste du CEO. Salut Zaza. Bonsoir à tout le monde. Accompagné de son binôme, monsieur Amazon, Alexandre Calamotte, notre spécialiste. Ça commence. Et pour finir, le vigile surprise défaite de Brassac. Monsieur, je suis présent deux fois par an à Radio Olympique TV, Cyril Ricardo. Salut Cyril. Je vous passe le micro. Et bonjour à tous. Oui, en effet, deux fois présent dans l'année, mais pour le meilleur et pour le pire avec toi. Oh, pas pour le pire. Non, pas pour le pire. Que pour du bonheur, que du bonheur. Et du bonheur on va en prendre, je pense, on va en avoir ce soir. Parce qu'une belle affiche. Pour, entre Mont-de-Marsan et le Castres Olympique, Mont-de-Marsan qui est en Pro D2, qui est voulu en Pro D2. Ouais, Pro D2. Et le Castres Olympique, monsieur, en top 14, qui est à cœur de se racheter de sa fin de saison de la saison passée. Donc remettre les compteurs à zéro. Remettre les choses dans le droit chemin. Alors. Cette... On le rappelle, donc Mont-de-Marsan, c'est leur troisième match amical. Donc ils en ont déjà joué deux. Le 1er juillet contre Pau au stade du Hameau, qui est soldé par une défaite 31-12. Et le second match contre Agen, également une équipe du top 14. Par contre là, 21-21 au score final. Donc un match qui va pas être facile pour le Castres Olympique, déjà rude devant. Et Mont-de-Marsan qui arrive déjà prêt à futer. C'est ça, tout à fait. Castres, c'est leur premier match, donc... Premier match, et avec des jeunes, ils vont évoluer aussi avec certains jeunes d'espoir. Ouais. Donc, on verra plus de choses, peut-être du côté de Mont-de-Marsan, et peut-être quelques erreurs techniques du côté Castres Olympique, donc ouais, on va pas s'affoler là-dessus. Mais bon, le Castres Olympique qui se déplace avec un gros banc, on a pu voir sur la feuille de match. Ben oui, c'est l'occasion aussi, ces matchs amicaux, de tester un peu tout le monde, de donner du temps de jeu à tout le monde. Surtout pour notre nouvel entraîneur Maurizio Reggiardo, qui du coup ne connaît pas forcément la totalité de l'effectif, donc ça peut permettre aussi de pouvoir tester des joueurs qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît peu. Et voir un peu l'état d'esprit aussi de l'équipe en match, parce que bon, il les a vus à l'entraînement et lors du stage à Saint-Lary, mais là c'est l'occasion de les voir en condition réelle, de voir un petit peu ce que ça donne. Avec le développement des phases de jeu qui tout au long de la semaine aux entraînements, il les essaye de mettre en place avec ce nouvel entraîneur justement. Donc on va essayer de répéter les gammes aujourd'hui, les premières gammes apprises sous l'air Reggiardo et en espérant voir un beau match ce soir. Donc on va voir avec côté Mont-de-Marsan la curiosité du jour, donc à l'arrivée de David Daricara qui vient de l'équipe France des moins de 20, pardon, qui a été champion du monde la saison dernière. Ouais. Donc avec à ses côtés pour entraîner les avants, David Oradou, ancienne gloire des années 2000 du Stade français, champion de France avec le Stade français. Mais également Rémi Thalès. Oui, l'ancien Castré. Champion de France en 2013. Qui revient à ses amours, puisque c'est son club formateur, Mont-de-Marsan. Exactement, qu'on aura le plaisir de voir sur le terrain de Saint-Afrique ce soir, parce qu'on le précise, on est dans l'Aveyron. Voilà. Merci aux Aveyronnais de nous accueillir. Et à Monsieur Vaquerin, Franck Vaquerin également, qui ça fait 3 ans qu'il nous fait confiance pour venir filmer les matchs du Castres Olympique. Ouais. Donc on le remercie. Un grand merci. Donc on verra également côté Mont-de-Marsan un grand second de ligne qui a passé 4 saisons, il me semble, à Albi, César Damiani, qui sera dans les rangs montois. On va passer au compo d'équipe. On va commencer par Mont-de-Marsan, Alex. Ouais. Alors, Mont-de-Marsan, numéro 1, Musio. Numéro 2, Laterade. Numéro 3, Negroto. Numéro 4, Damian. Numéro 5, Cedaro. Numéro 6, c'est capitaine Tasté. Numéro 7, Bretou. Numéro 8, Vavrin. Numéro 9, Colli. Numéro 10, donc on le disait tout à l'heure, Rémi Thalès. Numéro 11, Naïtuvi. Numéro 12, Séguré. Numéro 13, Vacassez-vous. Numéro 14, excusez-moi. C'est assez complexe.
Et numéro 15, Gerber. Donc à préciser, Séguri, le numéro 12 que vous allez voir évoluer avec Mont-de-Marsan, qui a été également champion du monde des moins de 20 il y a 2 ans. Donc c'est lui qui a marqué le dernier essai contre l'Angleterre en finale et qui a été formé au Sporting Club Albigeois, qui est actuellement prêté par le Loup. Donc il a fait une saison la saison dernière en top 14 et a été présenté pour s'aguerrir au Loup, à Mont-de-Marsan pardon, cette saison. Oui, Mont-de-Marsan qui utilise aussi des joueurs issus du club. Hein. Ils ont formé pas mal de joueurs qui gardent dans l'équipe 1, comme Julien Escan, Julien Cabano, tu voulais dire, excusez-moi, le frère de Cabano, ouais, Romain Cabano, voilà, qui est formé au club. On a aussi, par exemple, je relis mes notes. Et quelle note que tu as aujourd'hui? Ah oui, je vous avais vu. De belles fiches magnifiques. J'ai regardé de ta les plus gammes. Belle écriture. Continue sur les remplaçants, donc peut-être Alexandre de Mont-de-Marsan. Ouais, Julien Cabane. Les remplaçants, donc le numéro 16, Cribache, numéro 17, Innocenté, numéro 18, Rey, numéro 19, Garot, numéro 20, Duorquet, numéro 21, Gelin, numéro 22, Vakaya, numéro 23, Laval. Alors, il va y avoir des changements de numéros. Hein. Vous aurez des numéro 7, par exemple, qui va être porté par 2 joueurs, Monsieur Braillère. Donc, je ne vais pas citer tous les numéros. Donc, il y aura Monsieur Duprez, Monsieur Durand, Monsieur Castinel, Monsieur Bultel, Monsieur David, Monsieur Jobert et Monsieur Hurtad. On a l'impression que tu cites tes anciens profs au collège au lycée. C'est présent. Donc je disais formé au club, on a par exemple Alexandre Bernardi par exemple, qui est champion du monde avec les U20. Voilà, et qui est formé par le club. Et qui jouera pas aujourd'hui puisqu'il était en retard avec la préparation. Puisqu'il était dans l'effectif de la Coupe du Monde. On va passer à la composition d'équipe des Castres Olympiques qu'on attend tous. Alors, en 1, on aura Alexis Deco qui est un espoir. Jody Jenneker, Karina Wiyongi. Le revenant. Voilà. Ensuite, Christophe Sanson, Victor Moreau, Mathieu Babillot qui sera le capitaine, Camille Girondeau, Anthony Gelon, Ludo Rado, ça sera plus simple, Thomas Fortunel, Andis, voilà la nouvelle recrue issue de Montauban, en 11, Armand Bail, en 12, Yann David, en 13, Thomas Comezou, en 14, l'espoir Clément Clavière qui est passé par Narbonne, et qui est arrivé du stade toulousain, et en 15, Julien Dumourat. Comme remplaçant, alors nous aurons l'espoir Wayan De Benedictis, Antoine Tichit, Kevin Firmin, Paul Sozare, Wilfried Ungpatin. Dorian Quinquer, l'espoir, Hans Enkinzi, la nouvelle recrue qui arrive de Grenoble, Marc-Antoine Rallier, Baptiste Delaporte, Kevin Gimeneau, Rory Cocotte, Jérémy Fernandez, Pierre Tartre, Lucas Tarène, tous les trois évoluent avec les espoirs, Robert Berson, Florent Vialel, Benjamin Lapeyre qui fait son retour au club, et Geoffrey Palis. Revenant aussi, Geoffrey Palis. Canada, Urda Beleta avec l'Argentine et Nakosi avec les Fidji. Nakosi qui était la nouvelle recrue de Toulon. Ne jouera pas puisqu'elle est avec les Fidji. Voilà, et un blessé, Martel Laveau. Qui n'est pas encore. Voilà, Julien Caminati voilà, qui devrait reprendre d'ici 3 semaines. Jacquet. Et Kotze. Daniel et Kotze. Et le malheureux départ. Et la tristesse du départ. Ma fille. Alors là, moi, ça me fait un petit pincement au cœur quand je redis ma fille. Parce que pour moi, c'était le joueur. C'était un gros joueur de l'équipe. C'était un gros joueur. Mais bon, je suis sûr qu'il y a du talent, même dans les espoirs, pour venir remplacer et pallier ce départ. Après, je pense que c'est plus aussi pour des raisons personnelles, son départ, ma fille. Oui, il a failli partir après. L'année dernière, il avait failli partir. Il a failli partir à Leicester, ça s'était pas fait. Maintenant, oui, c'est un très très gros joueur, une très belle personne. Ouais. Maintenant, avec le nombre de matchs qu'il a fait, le temps qu'il a passé au Castres Olympiques. Il faut pas oublier quand même que c'est lui qui nous donne le titre. Oui, il a fait une grosse finale, on est d'accord.
qui marque l'essai. Maintenant, vu sur toute la saison, bon, mais l'année dernière, a beaucoup blessé. Oui. Il n'a pas beaucoup joué, donc bon, il est parti. Ouais, Christophe l'a pas fait beaucoup jouer la saison dernière. Est-ce que ça va être une grosse perte, humainement, sûrement. Maintenant, le nombre de matchs qu'il a joué, on verra, on fera peut-être plus confiance à Christophe Sanson sur peut-être toute la saison. Qui normalement, oui, puisqu'il était joker Coupe du Monde, vu que Steve Maffi est parti, il sera peut-être là toute la saison finalement. Et on pourra peut-être plus compter sur Christophe Sanson sur toute la saison que Steve Maffi. Et oui, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure surtout. Et puis Kevin Gimeno peut jouer aussi en seconde ligne, il peut glisser troisième ligne. Il joue troisième ligne, mais il peut glisser en seconde ligne sans souci. Donc, c'est vrai. Mais bon, on a un Rodrigo Caporte, gars. Oui, qui n'est pas là aujourd'hui. Hein, comme... Et Toulouse aussi n'est pas là, pardon, excusez-moi, parce qu'en fait, il est arrivé en retard. Il a du retard par rapport aux autres, par rapport à l'entraînement. Donc, parce qu'on le rappelle qu'il n'a pas été pris par l'équipe du Uruguay pour la Coupe du Monde. Alors, quid de cette non-sélection? Est-ce que c'est lui qui a pris la décision? Ou un malentendu avec la fédération? L'information reste propre à lui. Allez, on voit les équipes rentrer dans les vestiaires pour sûrement la dernière causerie d'avant-match. Bon, je pense qu'on aura aussi des fois de prêcheurs parce qu'il fait très chaud ici. Oui, le soleil est tombé quand même. Hein. Ouais. On est arrivé nous il y a une heure, je peux vous dire que le terrain il n'y avait pas beaucoup d'ombre, là, il est complètement rempli d'ombre. On transpirait à grosses gouttes. Alors que nous avons pu assister juste avant à un autre match amical donc pour ce challenge Macquerin entre Colomiers et Nevers. Ouais. Donc on a vu une victoire des Columérins par 21 à 14. Le beau match, t'as pas dû le voir complètement. J'ai vu que la fin. Ouais, voilà, parce qu'à la fin, c'est un peu plus ouvert. Mais ça se sentait que c'était le début de préparation et beaucoup de fautes de main, pas beaucoup de rythme dans le jeu. Après, la chaleur a pas aidé. C'est ça. Ça a pas été facile cette seconde mi-temps, notamment où il y avait 0-0, parce qu'il y a déjà 21-14 à la mi-temps. C'est ça. Après, les équipes elles viennent sur le challenge pour se roder, pour ce qu'on disait tout à l'heure avec Alex, pour répéter les gammes. Tout à fait, ça fait plaisir après à tout le monde, ces équipes bien qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Bon, Castres, ça fait quelques années qu'on la voit ici sur le challenge Vaquerin, mais ça permet aux habitants de l'Aveyron et du Tarn Nord, le haut du Tarn, on va dire. Le Tarn Nord. Puis ça permet de voir aussi des clubs de Pro D2 évoluer, donc exactement, de faire connaître. La Fédéralune aussi, on rappelle que le 15 août, il y aura. Albi Blagnac, à la Conne. Amical a levé de rideau de Castres Bristol Bears. Bristol Bears également, qu'on n'a pas l'habitude de voir, des équipes anglaises. C'est leur première participation, Exactement. À propos de ça, les équipes anglaises, ça fait deux ans qu'on avait commenté les Sale Sharks. Oui. Avec notamment, rappelle-toi, il y a deux ans, une interview de James O'Connor. Voilà. Exactement. Et grande nouvelle. C'est un sujet qui était transféré de Toulon. Exactement, de Toulon aux Sale Sharks. Ouais. À cause de ses problèmes de cocaïne. Oui. Donc, et qu'on a appris aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il allait être titulaire de l'équipe d'Australie contre l'Argentine de Benjamin Zapineta, qui lui est remplaçant. Exactement. Donc ça nous fait plaisir à Radio Olympique d'avoir pu interviewer James O'Connor qui est titulaire aujourd'hui avec l'équipe d'Australie. Et l'an dernier on avait eu les Anglais aussi de Sharks aussi. Avec un beau plaquage de Ashton qui avait fait tourner un petit peu sur le réseau. Qui avait fait grand bruit, qui avait écouté le début de saison à un certain Rory Cocotte. Voilà. Deux matchs je crois que Rory avait pris. Oui, exactement. Et 5 Ashton. Pareil, Ashton a été privé de ce début de saison. Donc on va passer aux officiels de ce match. C'est le match qui sera arbitré par Flavien Ourquet. Donc assisté à la touche de Monsieur Blondel et donc de Benoît Albert. Benoît Albert, pour certains, ça va dire quelque chose. Joueur qui est passé par Castres dans les années 2000, qui s'est reconverti arbitre et qui sera arbitre de touche aujourd'hui. Allez, en attendant, les équipes rentrent dans la surface verte. On peut voir les jeunes de l'école de rugby de Sainte-Afrique avec leurs couleurs jaune et bleu. De très belles installations, Zaza Alex, aujourd'hui. Ouais, super installation. Superbe complexe. Et une belle pelouse pour un mois d'août, franchement. Bien entretenu et tout. Donc on va faire un peu un petit focus sur les recrues, Zaza, si tu le veux bien, de l'équipe de Castres. Allez, un petit focus. Sur les titulaires. Fortunel, donc qui d'ouverture. Qui arrive de Montauban. Un petit nouveau renouveau qui a fait sa saison avec Montauban, qui a pratiquement joué une quinzaine ou une vingtaine de matchs comme titulaire. Donc
On va compter sur lui puisque Urdabileta, on espère, sera sans doute retenu avec l'équipe d'Argentine pour la Coupe du Monde. Le Bourris est parti. Et pour remplacer le Bourris. Donc pour le troisième 10. Après Dumoura, normalement, voilà, Dumoura, je pense, ça, ouais, troisième ligne. Puisqu'en 15, on sait que Armand Bail peut jouer, il y a Geoffrey Palisse qui il y a Julien Caminati, il y a la paire qui peut jouer en 15. On a du monde en 15, on n'a pas de souci, qui peut jouer à ce poste-là. Donc, tu penses vraiment que. Ouais. Ah oui, aujourd'hui il joue en 10, il est Fortunel. Mais Dumoura jouera en 15. En attendant que Beramino Tapileta revienne évidemment à exactement. En espérant qu'il soit pris avec Et puis il y a Tartre qui est le demi d'ouverture de l'équipe Espoir aussi, donc qui devrait jouer qui a l'habitude de jouer avec Jérémy Fernandez, l'autre demi. Ouais, exactement. Jérémy Fernandez également, qui est un jeune espoir. Sur qui Mauricio Ricciardo compte également. Exactement. On a eu l'occasion de voir évoluer pour la finale d'accession et qui avait été le meilleur joueur, Jérémy Fernandez, de la finale d'accession. Casse qui avait remporté sa finale. Tu passes également après Cocotte et Rado, il y aura Jérémy Fernandez sur le troisième neuf. Ouais, après, ils ont recruté Bournier du stade toulousain. Ouais. Mais c'est aussi pour penser à pallier en espoir, puisque bon, il y a la Heurte, donc il manquait un numéro 9 aussi derrière en espoir. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés chercher aussi. Le jeune Le Bournier du stade toulousain. Bon, pour répondre à votre question par rapport au demi d'ouverture, ça sera Pierre Tatre qui pourra évoluer à ce poste, issu des espoirs. Alors, on a décidé avec Alexandre, on n'a pas parlé aux deux chefs. C'est vrai. Ce soir, donc tous qui sont en direct, n'hésitez pas à nous envoyer des photos en commentaire. Donc, des photos de votre lieu de vacances, vous regardez en direct Radio Olympique TV. N'hésitez pas. Alors, on se rappelle l'année dernière avoir vu Armand Bail qui nous avait envoyé une photo regardant sur la plage de Radio Olympique TV, regardant les matchs amicaux après le titre de champion de France du coup et sa sélection avec les Babas. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos photos. Ça fera grand plaisir. Ah oui, et ça nous fera on aura plaisir. Peut-être l'occasion de les placer sur Radio Olympique, notre page Facebook. Alors allez. Anthony Guerrero nous précise que Benoît Albert a joué à Mazamé. Oui. Alors, dans les années 2000, quel joueur de Castres n'a pas joué à Mazamé après avoir joué à Castres? Exactement. D'ailleurs, il a failli y avoir David Smith, mais qui est parti finalement à Narbonne. C'est une grande histoire, David Smith, mais apparemment à Mazamé, il ne faut pas ça trop fait, en parler. Ouais, ça fait grand bruit. Hein, voilà, ça fait grand bruit, donc... On va peut-être... Allez, le CO qui jouera avec le maillot blanc, hein, et Mont-de-Marsan avec ses couleurs habituelles, jaune et noir, rayé. Ouais. Allez, au moins de Mansan qui avait joué les matchs barrage l'année dernière en Pro D2 et qui avait pris par contre. Ouais, qui joue les avant-postes. Les avant-postes, mais l'année dernière ils avaient du mal sur les matchs barrage, ils avaient perdu contre Vannes. Cinquième, hein. Ouais, cinquième, me semble-t-il. Voilà. Ils ont fini cinquième de la, cinquième, mais de la bon, phase voilà. régulière l'an dernier. Et puis finalement, donc qui montera, c'est Bayonne qui aura avec Brieux qui retrouveront le haut niveau. Bayonne. Qui va croiser le chemin du Castres Olympique assez rapidement d'ailleurs, rapidement à la saison. Exactement. Puisque le premier match du Castres Olympique, on le rappelle, c'est le 24 août Montpellier. En septembre, Bayonne. Si on regarde un petit peu le calendrier, Castres Olympique qui va se déplacer. Ils vont donc au Racing, puis ils recevront Bordeaux, ils iront à Bayonne. Ouais, à Bayonne, voilà. Et après, ils recevront Agen et ils recevront le Stade Français. Pour ce début de saison. Allez, on va avoir le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Allez, Rémi Thalès. Et c'est parti. Pour Rémi Thalès, à son habitude, très haut. Allez, Mathieu à la réception. Ouais, Mathieu, mais en deux temps, on garde le ballon. Non, c'est bon, pas contest. Le contre-rug bien joué de la part de Camille Girondeau. Ah, alors. Radou qui s'est un peu mêlé les pinceaux. Sur... D'ailleurs, ça passe, mais bon, ça récupère. Il n'y a rien de mieux. Et Yann David qui fait déjà parler la puissance. Hein. Et déjà l'an dernier, il nous avait impressionné avec Cyril qu'on était venu le voir. Hein. Il avait fait une grosse partie. Ouh, avec notamment un gros plaquage. On sait qu'après sa blessure au stade toulousain, il avait fait une saison un peu blanche. Ah, et l'année dernière, ça a été compliqué. Alors, ouais. Sa saison, les blessures, même si en fin de saison, il fait une grosse fin oui, de saison. Allez, Déco, justement, le jeune espoir qui a été sélectionné avec l'équipe de France moins de 20 de développement, qui avait été remplaçant. Allez, on ouvre. Allez, Fortunel sur Babillot. Mathieu.
Allez Rado, qui va ouvrir sur ses gros avec Jody Jenneker. Jody Jenneker qui casse le plaquage, qui proise. Ouais. Allez, attention au contre-ruck. Non, c'est bon, on garde le ballon. Le ballon est conservé. Allez, Fortunel sur Wiyongi. Avec ses 39 ans. Est-ce qu'on dit du haut de ses 39 ans? Non, moi je dis avec ses 39 ans parce que la saison dernière, il avait fait une bonne saison. 3 contre 2, il garde le ballon. Allez, bien, sur Geoffrey Palis. Dumora, en 15. Allez, Yann David qui fixe. Allez, on protège avec Fortunel, Christophe Sanson. Castres qui tient le ballon. Oui, Castres. Pas beaucoup de passes, une belle conservation. Allez, on est dans le camp. Ça joue dans le dos. Allez, Dumora. Allez, bien. Avec la redoublée. Avec Thomas, Armand Bayle. Et Babio qui était en position presque déliée. Babio qui va avoir, à mon avis, avoir envie de montrer ce qu'il vaut. Hein, puisque, comme il n'a pas été sélectionné avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde, je pense qu'on va le voir sur le début de saison, il va avoir les crocs. On s'est mis à la faute et donc, du coup, peut-être la première possession, ou du moins donc cette pénalité qui va offrir la possibilité à Rémi Thalès de revenir dans le camp. De Allez. Castres. Hans qui rentre, Hans Nkosi. Hensinki qui rentre, l'ancien grenoblois. Et qui sera avec elle passe de Victor Moreau. Voilà, Victor Moreau qui est sur la touche apparemment. Victor Moreau qui s'est mis faire mettre un strafe. Rémi Thalès. Qui s'est mis mettre un strafe. Qui relance de son en but. Sur le doigt. Allez. Oui. Belle relance. Il a vu belle relance. C'était un faux trou. Allez, Christophe Sanson. Ça vient. Attention, il est gratté, ça tient. C'était pas mal. Au départ, on a l'arbitre, dit rien. Ni rien. Allez, on sort. Fortunel qui dégage. Et qu'on va trouver. Et la touche. Elle va être trouvée. Allez. Elle va être trouvée. Toujours dans le camp. On revient presque à hauteur de ligne de 40 mètres. Alors, il y a une annonce qui a été, qui est passée un peu, je trouve, moi, pas pour les supporters castrés, mais pour le monde du rugby, avec la désignation du vice-capitaine des Castres Olympiques. Oui, Baptiste Delaporte. On a donné le pouvoir aux jeunes. Enfin, je pense beaucoup de surprises pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'il prend de plus en plus d'assurance. On l'a vu la saison dernière. Et puis, c'est un bon bonhomme. C'est un bon bonhomme, c'est un bon gars qui est bien dans sa tête, qui est bien dans ses jambes aussi, autant au niveau sportif que humain. Et on je pense que ce qu'il fait au club de la Bruyère. Donc, et puis, ses études, un gars investi, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Qui aime le rugby. Et je crois que c'était tout à fait logique. Et moi, je tiens à saluer quand même la réaction de Capo Ortega, qui est un grand seigneur, a reconnu les deux capitaines. Il a toujours été grand seigneur. C'est vrai. Il faut s'incliner quand même, à son âge. C'est quand même un monument du Castres Olympique et je trouve que c'est très très bien. Il n'y a pas de vague. Donc, on l'a vu encore la semaine dernière. Le plaquage haut quand même. Sur Dumora quand même. On arrête le jeu parce que. Voilà. Le sur 15, Dumora qui était en l'air, qui a été pris en l'air, qui n'était par plus son vis-à-vis de Monomarsan, n'était plus sur ses appuis au sol. Et d'ailleurs, il s'est fait mal, le plaqueur, le numéro 15 Gerber. Belle touche à trouver par Thomas Fortunel. Peut-être un peu le souffle coupé là, sur ce contact avec Julien Dumora. Et donc une pénalité. Pour revenir dans le camp de Mont-de-Marsan. On est juste un peu à l'avant de la ligne des 22 mètres de Mont-de-Marsan avec une intro lancée pour Jody Jenneker. On a vu à la dernière touche, ballon volé par Christophe Sanson. Alors Moreau qui refait son retour. Hans qui est ressorti. Hans c'est plus facile. Allez, capté par Babillot. Allez, sur Yann David, sur Thomas Comezou, plein centre. Allez, Renaud. Allez, Rado qui a une volonté d'accélérer sur chaque, formation de plaquage. Allez, sur Jody Denecker. Allez, on conserve le ballon, toujours du côté du Castres Olympique. On est rentré dans les 22 de Mont-de-Marsan.
Et montée agressive, hein, quand même, ouais. Côté Mont-de-Marsan. Allez, Fortunel qui ouvre sur Combezou. Ouais, dommage. Ouais, et Hans qui est un peu percuté. Pas Hans, excusez-moi. Clément Gavière ouais, qui a donné à Mathieu une passe un peu approximative, ouais. Mais qui a récupéré le ballon. Allez, Jody. Ouais, Jody. Bien démarqué par Camille Girondeau. On rentre dans les 22 mètres. Allez, Camille. Christophe Sanson. Ah, oh, dommage, la passe. Un en avant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, Thomas. Pied. Donc allez. L'avantage sera sûrement terminé. Miné. Allez. Et on va Dumourat, repartir tire. Sur une non. touche qui va être vite jouée par Dumourat. Ouais, très belle touche. Plus de 60 mètres sur un joueur. Et Dumourat qui relance à la main, qui va jouer extérieur sur son ailier. Clément Clavière. Le jeune espoir. Bah, allez, bien joué sur Jean, Anthony Gelong qui retrouve Rado. Allez, redonnez sur Gelong. C'est pas ça. Mais il manquait de vitesse là. Il manque quelqu'un rapide pour pouvoir terminer l'action. Ah, mais le jeu continue pour Castres. Allez, sur Camille Girondeau. Armand Bail est décalé sur le petit côté qui essaie d'y aller tout seul. Finisseur. Allez, on est sur la ligne. On est à 1 mètre. De la ligne. Ah oui, essai. Allez, essai accordé à Armand Bail. Par Flavien Ourquet. Alors. Le premier essai de la rencontre est marqué par Armand Bail. Oui. L'ailier du Castres Olympique. Le catalan. Le numéro 11. On nous demande en commentaire si on n'a pas de ralenti. Ah non, on n'a pas encore les moyens de Canal+, c'est s'il vous plaît. Pas pour encore. On n'a pas assez de partenaires encore pour produire ce matériel. Et nous avons le speaker qui va pouvoir, de sa plus belle voix, allez, réexprimer ce que nous avons dit en direct. Au niveau du pied. Son premier coup de pied officiel avec le casque olympique. Et pas facile d'ailleurs, hein. Tout en coin, puisque Armand Bail avait marqué cet essai. Avec le talon. Avec le talon. Hein. Juste le talon, trop avec facile. Talon. Allez, vas-y, essaye. Avec le talon ou le talon. J'ai un talon, mais pas de talon. Ah. Et monsieur Fortunel, si vous voyez à l'image. Allez, qui avec est gaucher. Gaucher, exactement. Qui est gaucher. Première tentative. Et ça passe à côté. Et ça passe à côté. Allez, on en restera là. Le Castres Olympique qui mène 5. Castres Olympique 5. Mont-de-Marsan 0. Mont-de-Marsan 0. L'action qui a été belle, hein, quand même. Hein, qui oui, est, et puis... Une belle prise en touche de Mathieu Babillot. Après, on pourrait dire que le Castres Olympique prive de ballon Mont-de-Marsan. Oui, ils ont toujours le ballon. Exactement, hein. Par sa pénalité sur ballon gardé. Sur, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais Mathieu Babillot partout. Hein. Ben oui, mais je vous l'avais dit qu'il avait les crocs. Partout. Il avait les crocs. Attention. Il est partout parce que le ballon va d'une aile à l'autre. À savoir que le système de jeu castré, pardon, vous allez voir tout le temps Mathieu Babillot du côté du point de rencontre. Enfin, de la phase arrêtée précédente. Allez, donc vous allez le voir, là, il était sur Mathieu Babillot. Allez, attention de ne pas se gêner avec Girondeau, non, c'est bon. Toujours. Allez. Allez, mais c'est un peu dans l'avancée. On conserve le ballon. On arrête. Allez, Clavière. Oui, qui se démarque, qui va au sol. On le voit, il vient chercher le ballon. Allez, ouais, c'est bien. Petit jeune qui n'hésite pas. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'il montre à Mauricio s'il veut le jouer. On s'est fait gratter le ballon. Ouais, on s'est fait gratter le ballon. Allez, position de ballon pour Mont-de-Marsan. 3 contre 3 en bout. Alors, la première attaque, on va dire. Hein, on vient fixer, mais... Séguré, là, c'est Albigeois qui a conservé le ballon. Allez, Thalès. Sur le pilier. Beau grattage. Hein. Ouais. Beau grattage. Ah, mais beau grattage derrière. Que va dire l'arbitre? Il va falloir lâcher le ballon. Et oui, puisqu'on était allé au sol. On est venu se coucher. On est venu se coucher. Une belle prise de ballon. Ah, de Wiyongi. Wiyongi, Karina. Il est venu essayer de prendre, enfin, de venir au contest. Mais qui a perdu ses appuis, ce qui est sifflé par monsieur l'arbitre. Qui va occasionner Rémi Thalès. Sûrement en touche. En touche. Vu le positionnement de celui-ci. Je pense qu'ils ne sont pas là pour prendre les points. Non, ils sont là pour se faire plaisir aussi. Je pense pour développer des phases de jeu. Alors, à savoir que le match se joue avec un ballon bi-rugby. Ouais, la marque du ballon, ça y est, Gilbert en a plus la suprématie complète du ballon. Avec la nouvelle qualité de ballon de rugby, très bonne qualité. Tu m'as posé une question tout à l'heure, tu me disais pourquoi il y a Provence Rugby. Oui. Alors je vais te répondre, je sais pourquoi. Parce que le premier match officiel de Mont-de-Marsan, c'est Provence Rugby. D'accord. Donc on est venu voir un peu leur jeu.
qui sera le 23 août chez eux. Je pense qu'ils ont dû jouer, oui, ou ils jouent à l'amical demain. Aussi, l'amical, mais ils sont venus aussi, ça permet de voir. Pour observer. Ouais, ouais, d'un peu d'observer l'équipe. Allez, allez, Mathieu, on va pouvoir observer la défense maintenant. Allez, Colis. Allez, attention, attention ne pas se mettre faute, parce ouais. que Mathieu avait glissé. Allez, le numéro 5, Cédaro, qui est allé au sol. Allez, Colis. Allez, Colis. Qui envoie ses gros. Allez, on va voir. On envoie les piliers. Allez, Colis, on ralentit un peu le jeu du côté du Castres Olympique. Le ballon tardait à sortir et du coup, la défense ça, était bien en place, côté blanc. Allez. Rémi Thalès qui envoie. Allez. Ça monte très très fort. Beau plaquage de Thomas Comezou sur son vis-à-vis, le 13. Va casser vous. Allez, Rémi Thalès. Oula, la passe vrillée. C'est Anthony Gelon qui a cassé l'action montoise. Ouais, encore Adrien Séguré qui est venu chercher le ballon. Allez, beau plaquage. Ton besoin est monté un peu en jeu. Voilà, blocage. Et attention à la course. Allez, Armand Baye à la course. Allez, non. Le ballon qui est oublié, mais bon. Allez, en avant. En avant. C'est dommage parce qu'on était trois du côté de Castres, comme Mezou, Armand Baye et Victor Moreau à la course. Alors pour ceux qui l'auraient peut-être reconnu, donc le demi-mêlée de Mont-de-Marsan, Colis, qui était le demi-mêlée titulaire en début de Coupe du Monde de U20, qui était champion du monde cette année, et c'est lui qui a commencé à la mêlée sur les deux premiers matchs. Vous avez vu, j'ai toujours pas fait de jeu de mots avec Colis et Demine Bélé. Oui, 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 on a vu ça, on a vu ça. J'aurais pu en faire un, mais j'ai retenu. C'est que le premier match de la saison ou pré-saison, si on peut dire. On aura tout le temps durant cette nouvelle saison de pouvoir écouter ces jolis mots. La première mêlée du match. On va voir un peu ce que vaut le Castres Olympique. Allez, une mêlée avec introduction Rado, le numéro 9 du Castres Olympique. Et talonné sûrement par Jody Jenneker. Allez. Ah, on s'est fait voler le ballon, non. Allez, ouais. On s'est mis à la faute. Anthony Gelon qui joue vite, attention à l'avant. Allez, Rado, heureusement. Yann David, pour le mettre au sol, c'est assez compliqué. Ouais, mais ça sécurise le ballon. On est sûr de. Allez, Voro, qui a déménagé. Mais bon, il a tombé le ballon. Il a perdu le ballon à l'impact. Sur le second impact. Et du coup, occasionné une mêlée adverse. On s'est déplacé avec Colis. Ouais, voilà. Mais latéralement. Ouais. Donc je vous le dis, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos donc dans les commentaires du live pour avoir vos lieux de vacances et l'endroit où vous regardez le direct Radio Olympique et TV. Et continuez à commenter aussi, c'est le match en direct. On regarde de temps en temps en live les commentaires pour interagir avec vous durant toute la rencontre. Allez, l'introduction de Colis pour Mont-de-Marsan et une mêlée stable, ça c'est joli. Une belle mêlée allez, stable. Belle mêlée. Allez, ça c'est formé sur la fin. On attend. Allez, Colis, tu sors ce ballon. Il est hors jeu. Rado, il est hors jeu, il a attendu Colis. Il a joué à l'ancienne. Hein. Ouais. C'est filou et c'est bien. Et c'est bien joué. Allez, Mont-de-Marsan qui va pouvoir se dégager. Allez, le ballon qui touche. Va en touche. Allez, juste devant, sous nos yeux. Une trentaine de mètres de la ligne d'en-but du Castres Olympique. Allez, on va pouvoir voir juste devant nous le lancer du talonneur. Le numéro 2, Latérade. Le talonneur de cette équipe de Mont-de-Marsan, jaune et noir. Allez, c'est capté. Et qui est formé au club. Hein. Negroto. Qu'on voit beaucoup, hein, Negroto. Le pilier droit Montois. Et puis ton ami Damiani. L'Albigeois.
Et encore comme besoin, qui est limite dur, je vais en position de second centre. Il est venu avec beaucoup de vitesse, le numéro 11, Night UV. Allez. Allez, attention, parce qu'il y a un joueur qui, blessé, ben justement, on parlait de Negroto, Negroto, peut-être une petite, un avantage pour... Johnny Genecker qui a plongé. Un avantage pour Mont-de-Marsan. Ouais, Negroto qui se plaint du genou. Hein. Ouais. Attention. Attention, elle est partie par-dessus. Belle touche. Belle touche, mais on va revenir à la pénalité. Du coup... Je trouve que c'est bien arbitré. Hein. Ouais, c'est bien arbitré. On a une première fois, il est passé sur ses appuis. Il a gêné la libération du ballon, c'est très bien arbitré. Et j'imagine qu'on va aller chercher la touche hein, côté Mont-de-Marsan. Oui. Même si durant un match non amical, on serait sûrement venu chercher les points. Après, ça dépend des fois qui c'est. Si c'est des équipes anglaises, elles viennent pour gagner. Oui, c'est vrai aussi. Si c'est des équipes anglaises, c'est une question d'honneur. Peut-être qu'on n'aura pas la même chose du côté de Bristol Bears. Voilà. La semaine prochaine, et semaine prochaine, jour pour jour, soit dit en passant. Le 15 août. Le 15 août, sur la commune de Lacon, hein, dans le 81 aussi. Et on disait qu'il y aurait aussi. Dans le Tarn, dans la Lacon. Dans la Lacon, oui. Et il y aura aussi Albi contre Blagnac. N'oublions pas, un avant-match. Alexis Deco qui se fait soigner. Ouais. Oui. Oui, le taffiné à la conne, le jambon. Je réponds oui. Bon, très bien, merci. De rien. Réponse. On répond au public également. Ben, voilà. On fait de la publicité à la conne. Hein, pour leur jambon, leur charcuterie. Bon, en même temps, la conne, si la maison Roberti d'ailleurs veut se sponsoriser la voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez. Donne-nous-en une autre parce que sinon après on va se faire taxer encore. Maison Mio, voilà. Parce que sinon on va se faire taxer. Connais ça. Vu les mensurations de Cyril, on sait qu'il aime le bon jambon. Hein. Ah mais nous on est basé à Castres, je réponds au monsieur, on est basé à Castres. Radio Olympique TV est basé à Castres. Petit côté, beau départ du talonneur Montois. Ouais, ballon allez, avec colis. On joue petit côté. Ballon perdu. Ouf. Clavière qui n'existe pas. Bons appuis, Clavière. Clavière. Qui repart Rora, voilà, ça progresse. Ça. Allez, Fortunel, Yann David. Allez, elle lui plaît faire. Allez, qui c'est qui résiste ouais, qui il a la volonté de garder le ballon. Ah oui. Il a brossé d'une quinzaine de mètres. Ça ouvre le champ. C'est monté en pointe. Allez, Mathieu Ballon, allez, sur Aram. Dumora avec Armand Bay là. Ah, elle est en avant, la passe en avant. La passe est en avant. Et la passe, elle est en avant, il n'y a rien à dire. Dommage, les intentions sont bonnes quand même, on veut relancer. La passe est en avant, il n'y a rien à dire. Qui a forcé pour arriver jusqu'au 22. Match très bien arbitré, très bon arbitre. Ah oui, il n'y a rien à dire. Non, mais il n'y a rien à dire. Là, on sait reconnaître quand les arbitres sont bons. On sait crier assez. On n'est pas d'accord. Mais quel arbitre est bon, il faut le dire. D'ailleurs, en top 14, par exemple, Ludovic Kair, qui a fait sa première saison la saison dernière, en top 14, est un super jeune arbitre, mais qui a été de niveau formidable toute la saison. On va en avoir des nouveaux encore cette année. Ouais. Et oui, puisque Garcès prend sa retraite internationale. Notamment enfin, qui a entraîné avec moi la dernière au Sporting Club Albigeois, Vivien Pradery, que je salue s'il me regarde, voilà, qui va arbitrer l'année prochaine en top 14. Gerber qui a l'air de souffrir après de son contact avec... Avec Dumora. Avec Dumora, ouais. L'Africain du Sud qui est passé par Béziers. Hein. Alors, Oradou, qu'on a juste en dessous de nous, il a un petit problème, apparemment. Il a perdu son acolyte, mais c'est les chaises musicales, puisque Losuc est parti à Agen, pour remplacer Mauricio, Mauricio est venu à Castres, voilà. Allez, beau plaquage, bien pris par Clavière, mais bon. Allez, comme Zou. Et du coup, il y a un trou, et le soutien, et voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, faudrait le revoir. Faudrait revoir les images, Là, on va regarder là, sur notre
sur notre La défense, bon, c'était bien coupé de la part de Clavier, mais il a coupé sur le second centre. Il a bien coupé. Je crois qu'il était un peu loin de son aile. Et non, il n'y a pas d'avant. Ah, ouais, Combezou qui était en retard, je ne sais pas si ça n'a pas assez glissé. Et ils se sont fait prendre par la première feinte. Qui n'a pas pu faire quoi que ce soit là. Bel essai côté Mont-de-Marsan. De Lorinier. Un gros tampon sur Rémi Thalès au passage. Mmh. C'est le rôle d'indice. Netouvi. Netouvi. C'est le Fidjien qui est arrivé de Clermont. D'accord, ben voilà. Ben ils ont trois Fidjiens, Mont-de-Marsan. Hein. Donc là, quand tu disais un gros tampon sur Rémi Thalès, hein, mais c'est le rôle de. Ah oui, c'est le rôle du demi d'ouverture. Quand la fête est bien jouée, quand la passe est faite au dernier moment. Tout à fait, tout à fait. Et la preuve derrière, ça marque, il n'y a pas tout de secret. Tout à fait, tout à fait. Personne n'a inventé le rugby. Il était d'ailleurs très connu pour ses grosses montées défensives et ses grosses. Ouais. C'était un gros plaqueur. Et la transformation qui passe par Gerber, le sud-africain. Et on va voir, je pense que c'est la pause de fraîcheur, non ? Oui, pause de fraîcheur, je pense. Donc Rémi Thalès. Premier water break. Allez. Alors, Mont-de-Marsan mène 7 à 5 devant le Castres Olympique. Ouais, Rémi Thalès qui était un gros plaqueur. Hein, bah, c'était un numéro, on va dire 10, mais 10 défensif. Ouais. Puisque c'est comme si on jouait avec un numéro 9,5 ou une troisième ligne derrière. On le connaît pour ses qualités. Hein, très bon jeu au pied. Très bon jeu au pied. Puis au niveau pression pour gratter les ballons, pour empêcher les ballons de sortir rapidement du côté des attaques adverses. Hein. Ça fait bizarre d'ailleurs pour un supporter du Castres Olympique de voir Rémi Thalès qui a été champion de France avec le Castres Olympique. Et le Racing. N'oublions et le Racing. De le voir évoluer contre l'équipe avec laquelle il a atteint le sacre suprême. Ouais, mais c'est son club formateur. Hein. Donc il était comme Romain Cabanne, je disais tout à l'heure. Il voulait finir dans leur club, finir leur carrière dans leur club. Donc Romain est revenu aussi la saison dernière. Mais bon, ses problèmes de genoux ont fait qu'il a dû arrêter cette saison. Et on se souvient de son interception à Romain Cabanne hein, pour la demi-finale contre Clermont. Contre Clermont. À Nantes. Sur l'interception des pratiquement des 22 mètres, dans les 22 mètres de Clermont et qui finit sous les poteaux. C'était enfin voilà dans notre cas là, c'était 2013. Le titre, hein, voilà le titre. Hein. Moi je m'en souviens, j'ai encore les yeux qui brillent de cette demi-finale. Surtout qu'après on a vu un spectacle magnifique que nous avions fait la Ligue avec encore sous la suprématie de l'ancien président du Stade Français. Et donc on avait vu d'abord la patrouille de France qui nous avait fait un passage avec du bleu et blanc et rouge. Oui. Et puis les Lions, le spectacle voilà, de notre ami Godzini qui avait l'art et la manière de faire des spectacles. Allez, Fortunel. Voilà, on a vu les Lions, on a vu des jeunes filles, enfin bon, un spectacle magnifique. Belle montée de Clément Claverie malgré son gabarit. Ouais, j'ai l'impression qu'il a envie de se montrer. Okay. Ce jeune Claverie. Eh oui, mais ils le savent, hein, les espoirs, s'ils veulent avoir une chance de postuler à l'équipe U1, pour l'instant, il faut qu'ils se montrent. À titre personnel, il me plaît. Hein. Oui, mais il faut qu'ils se montrent, ils le savent. Mauricio les attend plus encore que les titulaires hein, sur leur état d'esprit, sur leur jeu. Tu redoubles avec son comparse. Combezou. Ravid qui dirige, Johnny Gélecker qui arrive à lancer à hauteur de radeau. Allez, on a toujours le ballon. Ça libère bien le ballon. Allez, Fortunel, oui, Ongui. Karina Villongui. Allez, qui garde. Aider. Allez, qui recule un petit peu, mais capture le ballon. Conserver le ballon quand même. Qui garde le ballon. Il y a plaquage. Non, c'est bon. Allez, radeau qui change. Attention, la passe mal donnée de radeau. Et on est hors jeu du côté de Mont-de-Savin de Marsal, l'arbitre considère. Ouais, j'imagine que c'est ça qui siffle. Ouais. On va voir la gestuelle, monsieur l'arbitre. De toute façon, on est sûr. Voilà c'est C'est la gestuelle précise une position d'hors-jeu des jaunes et noirs. Alors, apparemment, et je pense que. Je sais pas, parce que Fortunel a le ballon. Ouais, Fortunel. Et donc. Après. Non, Yaleti n'arrive pas, donc je pense qu'on va aller en touche, ouais. Oui. Oui. Vu le positionnement, vu son positionnement et vu le positionnement des joueurs. Mais on a un joueur au sol du côté Castré. Ah non, là j'ai l'impression, si je regarde bien. Yann David. Non, mais j'ai l'impression que c'est Yann David qui est par terre.
Ah, le blessé, oui, il y en a. Ouais, c'est pas étonnant. Une saison de coréenne. Ça n'a pas l'air méchant, ça va, il se relève. Yann David qui est tellement précieux quand il est en pleine forme. Ah ouais, c'est un vrai bulldozer. Il y a quelqu'un qui garde le ballon, qui a une belle passe, moi je trouve. Précise. Ancien du stade de Toulouse. Ouais, il fait très peu de fautes de main. Mais il reste droit en fait. Ah ouais, même à l'impact, il reste droit. Ouais, il perd très peu de ballons. Et on lui arrache très peu de ballons. Allez, Tchenecker, au lancer, sur la ligne des 5 mètres. Allez, un peu cafouillé. Un peu cafouillé, mais le ballon, allez. Tchenecker qui remet le sens de la marche. Allez, on voit Yann David qui est devant Thomas Fortuna, à mon avis, ça va rentrer. Allez, on est pratiquement. Allez, on est rentré à l'intérieur des 5 mètres. Ouais, on est à 5 mètres de la ligne. Victor Moreau, il est juste venu faire ballons, un bon ancrage. Rado. Allez, ça change. Thomas Fortuna, on met de la vitesse. Ah dommage, ouais, il a poussé en touche. Heureusement la défense avait bien coulissé la côté Mondemarsan. Hein. C'était bien joué. Parce qu'il y avait énormément de vitesse sur l'aile. Ouais, et puis Fortuna. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée sur l'action de jeu, ouais. Allez, un lancé par le numéro 2, Laterade. Attention, une touche qui doit être récupérée pour Mondemarsan pour ne pas se mettre trop sous pression et essayer de se donner un peu d'air. Vous avez vu la défense Castres qui n'a pas attendu que ça se forme pour ouvrir l'angle. Ça passe de suite au sol. Ils sont obligés d'avoir un nouveau temps de jeu du coup pour ouvrir l'angle pour Rémi Thalès s'il veut dégager. D'ailleurs, c'est pas Rémi Thalès qui va dégager, c'est Berger. C'est Gerber qui se met en Gerber. Position. Gerber, oui, l'Africain. Non, c'est Colli. C'est Colli qui trouve une belle touche d'ailleurs. Belle touche. Belle touche. Bon, pour rester quand même dans le camp de Mondemarsan, mais pour se donner pas mal d'air quand même. Hein. Mm-hmm. Après une touche à 5 mètres, on est tous contents quand même d'avoir une touche 40 mètres plus loin. Ah oui. Ça soulage surtout tout le monde. Quand t'es gros, t'es content. Voilà. Et quand il fait chaud en plus. Il parle en connaissance de cause. Gérondeau. Premier sauteur, Gérondeau. C'est pas au point quand même. En touche encore. Hein. La fête n'était pas terrible. Hein. Allez, on continue. Allez, Rémi Thalès se coucher qui met réussi à transmettre. Le plaquage sur un retour inter. La passe. Allez, Rémi qui renouvelle. Bien pris. Ça monte vite. Hein. Du côté cassé. Combezou avec Yann David, ça fait pas rigoler. Ah ouais, la paire de centre là. Ah, ça ralentit le jeu du coup. Du côté de Mondemarsan, on aurait tapé un petit coup de pied par-dessus. C'est exact, par Colli. Allez, Dumoura qui va être tranquille. Et qui va relancer. Le jeu au pied n'a pas été bien donné. Hein. Normalement, dans ces cas-là, on essaie de chercher les 15 ou les 5 mètres même pour amener l'adversaire en touche. Le coup de pied était quasi en milieu de terrain. Rado à l'arbitre. On va sans doute donner une mêlée à Castres puisque l'arbitre a gêné. Sur la passe de Rado. Ouais, comme pourtant, je le disais, sur un coup de pied par-dessus, comme ça, on essaie surtout de chercher les 15 mètres ou les 5 mètres pour enfermer l'adversaire et au mieux le pousser en touche pour avoir le gain du ballon. Là, Colli, son ballon, il a donné à 30 mètres de la touche. Sans aucune pression pour Dumoura. Exactement, ce qui a donné en plus l'opportunité de jouer à gauche ou à droite pour Dumoura et justement de relancer, de remettre la marche en avant au Castres Olympique. Merci pour ton œil d'expert. Et ouais, mais c'est un gros, hein. Il joue gros, lui. C'est un gros. Et puis un entraîneur, Cyril. C'est ça, c'est pour ça. Donc on a de la chance de l'avoir aujourd'hui. Allez, on est reparti pour une mêlée avec introduction à Rado. Alors Michel Baye, c'est qui demande si Thalès ne devrait pas prendre la retraite. Alors, non, il a encore 33 ans. Mais tant mieux pour lui, hein, si à son âge il joue. Regardez, il joue encore en Pro D2, il a de beaux restes, il a un beau physique encore. Ah oui. C'est lui qui fait quasiment marquer l'essai de Mondemarsan. Et puis il a du jeu. Tu peux jouer au pied. Il y a de l'expérience. Allez, Antonio qui s'arrache. Qui conserve le ballon. Allez, Fortunel. Combezou, oui, Dumoura. Allez, Clavière. Allez, petit peu de la course. Armand Baye à la course. Oui, c'est de Clavière. Allez, le doublé pour Armand Baye. Bien joué. Ah, bien joué par Clavière. Clavière. Il y a qui avait demandé le ballon, coup de pied de recentrage Clavery, à l'ancienne. Belle lecture là de Clavière. Belle lecture. Ouais, pour un espoir comme très quoi. Très bel essai de Castres. Armand Baye là. Sur un premier temps de jeu. Hein.
le départ d'Anthony Gelon, hein, qui oui. fait... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu en 8 d'ailleurs, ouais, hein, Anthony ouais. Gelon, Anthony, qui, oui. qui était son poste à l'origine. Et là, on le voit en 8, alors peut-être une piste pour la saison prochaine. Ouais. Mauricio qui est peut-être le, ben, plus le voir en 8 qu'en 3ème ligne. Après, il manque Waipulu aussi. Voilà. Il y a Waipulu qui est retenu avec. Il y a Toulou. Toulou qui commence quand même à avoir de l'âge. Ouais, un peu plus sur le déclin, oui, un peu plus. Mais bon, ça donne des opportunités. De pouvoir faire un 15 différent. On essaiera d'avoir Anthony à la fin du match et de lui poser la question, ce sera ouais. beaucoup plus simple. C'est ça. Et voir ce que Mauricio lui a dit. S'il veut bien nous le dire aussi. Alors, chose nouvelle également au Castres Olympique, vous pouvez voir Mauricio Ricciardo qui a amené l'outil. Alors, est-ce que ça va être ça toute la saison ? Elle passe à côté. Elle passe à côté. Bon, après, c'est peut-être pour donner quelques consignes aussi. C'est détente, hein, c'est le change Jacquerin. Ah, Rory Cocotte qui va faire son entrée. Rory Cocotte, Kevin Firmin. Firmin et le tout jeune Wayan De Benedettis. Alors, changement au Castres Olympique, sorti du numéro 1. Alex Leco remplacé par le numéro 17. Ah, Kevin qui va avoir aussi envie de montrer en Mauricio, puisque l'an dernier il n'avait pas beaucoup joué avec Christophe Urios. Castres sorti du numéro 2. Jody Geneker. Donc il va vouloir. Reprendre du temps de jeu. Et sorti du numéro 9. Et je vais... il avait fait une bonne, les belles prestations pendant les phases finales, hein, la saison d'avant avec quand Castres avait été champion de France, on se souvient. Hein. Allez, le score, on le rappelle quand même, le score 10. Hop là, attention. Pour Castres et allez, 7 bon. Pour Mont-de-Marsan. Bon. Allez Kevin, on va être premier ballon. Pas loin de la mi-temps, hein. Pas loin de la mi-temps. Allez Castres, Gelon qu'on voit aussi. Belle chistera au sol. Pour Mathieu Babillo. Allez, Fortunel, Dumora. Dumora. Attention, le petit. Là, il est arrêté. Ah le pauvre, il a pris notre petit ailier de. Il a pris le gros. Petit train brassagé. Ouais. Ah hors jeu. On l'a entendu, elle l'impact d'ici. Hein. Ah, il est dans son arbitrage, par contre c'est des deux côtés pareil. Hein. Là la moindre erreur sur les rucks, sanctionné de suite. Hein. Allez, touche. Dans donc le camp. Cyril, si tu peux nous éclairer aussi par rapport au remplacement, s'il te plaît. Les remplacements là, on est sur un challenge, le challenge Vacquerin, et du coup les remplacements c'est un petit peu limité. Non, c'est illimité. C'est-à-dire qu'il faut que les joueurs, bon après c'est les joueurs pro, mais ils ont la licence à jour, et il faut que tout le monde soit inscrit sur la feuille de match et soit qualifié pour ce genre de match. Après il n'y a pas de limite dans le nombre de changements. Je pense qu'Alexis Cassan qui nous regarde pourra nous en dire un peu plus par message s'il nous entend. Mais il ne me semble pas qu'au niveau de la feuille de match on soit limité en nombre. Non, ça, on n'est pas limité sur un match amical comme ça. Et puis déjà. Allez, Clavière. En top 14, on a vu le nombre de changements qu'on peut faire. Dommage. Aussi. Il a ripé. Allez, le ballon arraché. Aïe. Hop, en avant. Il y en a en jeu. Il y en a en avant, il y a un hors-jeu. Ah, ça y est, allez, Rory Cocotte. Allez, Rory. Il vient de rentrer, ça y est. Première faute contre le Castres Olympique et Rory Cocotte se fait prendre par l'arbitre. Voilà. De suite. Wilfried. On met les choses à plat. Ouais. Alors, ça parle on nous pose beaucoup. La question. Oui, il est remplaçant, il rentrera sans doute en seconde période. Rory Cocotte dans toute sa splendeur. Alors, je donne le bonjour à quelques amis que je vois là. Kiki, Jean-Yves, Anthony Gelon, Myriam. Affecté, ouais, mais je peux vous dire qu'il est, plutôt mince même. Hein. Bonjour. Et on le voit un peu partout en ce début de match. C'est de bon augure pour la saison. Allez, merci de le suivre. N'hésitez pas à partager le live. Allez, on n'est pas loin de la mi-temps. Hein, si on compte la pause. Le water break. Ouais, le water break. Il te tarde de manger le sandwich ou pas, Alex? Ouais, non, pas encore. Je vais attendre la fin du match quand même parce que. Oh non, pas trop. À la mi-temps, ça risque d'être pris d'assaut pour les sandwichs. Allez. Ouais, Christophe, mais Christophe qui avait touché le ballon. Allez.
Ouh. Oh là là, le plaquage de Wayan Debeletis, hein, l'espoir, du jeune espoir du Castres Olympique. Mathieu Mabillot, qui était monté, mais bon, après, voilà. Adrien Séguré, par contre, il a laissé l'ouverture de son côté. Le ballon, Adrien, ça va avancer. Bien joué de la part de Colli deux fois, qui envoie César Damiani. On est rentré dans les 5 mètres, attention, là, on est pas loin de la ligne d'un but. Il faut se mettre en place, là, côté Castré. Allez, Rémi Thalès, qui fait le bon de santé sur le numéro 8. Adrien Séguré. Oh là. Allez, mais bon, il a. Allez, on est un peu arrêté, mais on revient un petit peu plein centre. Ah, ouais, ça plonge n'importe où. Voyons. Ça a mis le casque à pointe. Allez, là. Rémi. Allez, Yann David. Arrêtation. C'est dommage. Gerber qui a le ballon. Il est monté un peu en pointe, Thomas Combezou. Ça a laissé l'espace extérieur mal exploité par Mont-de-Marsan. Oui, oui, Olivier Guy. Le petit clavier a des appuis à l'Andreux, effectivement. Petit comme lui, mais tenace. Oula, le plaquage. Ah, ouais, le plaquage. Le plaquage. Ça peut être un plaquage. Considéré comme le plaquage cathédral, ce genre de choses. Hein. Parce que ouais, on est quand même sur le challenge de Vacarem, mais les cartons. Ouais, ouais, et ouais, il va aller. Ou la saison d'avant contre Brive. Je sais pas si vous. Non, il y a 3 ans. Il y a 3 ans contre Brive, ça nous avait coûté cher. Rory Cocotte, blessure de Sylvie Vatou. Blessure de Sylvie Vatou. Blessure de Sylvie Vatou, ouais. Oui, la dernière, oui, avec les Sharks, oui, ça, on a oublié. Ashton et tout ça, oui. Les cartons qui étaient de sortie. Donc, on va voir. Est-ce que. Donc, il appelle les deux capitaines. Ah, et pour remettre un peu, leur dire que c'est. Monsieur quand même, Tasté côté jaune et noir et monsieur Babillot côté blanc. Deux joueurs formés dans leur club respectif. Non, non. Rémi Thalès n'est pas joker Coupe du Monde pour Mont-de-Marsan. Il est titulaire avec l'équipe de Mont-de-Marsan. On le répète, il est revenu à son club formateur pour finir sa carrière. Déjà, il était là la saison dernière. Allez, donc pénalité pour Castres. Dumourat va dégager son camp. Et du coup, l'arbitre n'a pas mis de carton. Hein. Non, non. Il a juste avisé. Allez, la touche. Ouais. Elle avait franchi le plan vertical, cette balle. Donc, sur une pénalité, le jeu sera arrêté. Allez, Kevin Firmin pour son premier lancé. Allez, on se met en place du côté Castré. Un lancé, Jody Genecker. On devrait jouer sur Camille Gérondeau. Gérondeau, mais. Elle n'est pas droite. Elle était sûrement destinée pour Camille Gérondeau, mais. Qui a été lobée. Mais lobée. Voilà. Allez, qui va occasionner une mêlée sur la ligne des 15 mètres et sur la ligne des 40 alors, mètres. Alors, Alex, Zaza, mot tordu. Je rigole. Bonjour, Alex. Robin Millot, faites rentrer Tatre en 8 ou je quitte le live. Mais écoute, ah, mais non, Tatre, il joue en 10. Tatre, il joue en 10. Désolé, mais joue en 10. Apparemment, tu l'aimes pas quand même. C'est pour le faire jouer à 8, le pauvre. C'est pas le même gabarit. Allez, pénalité contre Castres. Et un ballon intelligemment non introduit par Romain Cavan, joker, non. Non plus, puisque Romain Cavan a pris sa retraite. Je réponds à Damien Dugue. À cause de ses problèmes de genoux. Et Cyril, on te pose une question. C'est Lionel Astier. Cyril, entraînes-tu et qui cette année? Eh bien on va attendre la fin de l'action quand même, ouais. Une belle relance de Julien Dumourat, je répondrai à tout ça. Allez. Ou peut-être même à la mi-temps, allez, hein, puisqu'on n'est pas loin de la mi-temps. Armand Baldé, allez, n'hésitez pas, allez, Gelong encore une belle percée. La vitesse d'Anthony Gelong, ouais, à gauche pour Henri Cocotte qui devrait aller. Henri Cocotte qui met les cannes, attention. Il manque du soutien. Il est rentré dans les 22 mètres, mais il s'est fait croquer, okay. Il a voulu essayer ballon. De se remettre sur ses appuis. On a gardé le ballon. Ouais, ça joue, allez. Ouais, ça vient repartir au ras. Ah, on vient essayer de gratter dans le rack. Non, c'est bon, l'arbitre considère que. Allez, attention, Camille. Allez, le ballon joue. Derrière, c'est bon, ça continue. Fortunel qui essaie d'aller tout seul. Il avance quand même, ça fait reculer la ligne de défense. Là. Mathieu Babillot qui libère bien son ballon. Camille Gérondeau aura. Allez, Camille. Là, il cherche à jouer dans l'axe quand même. Allez, on devrait essayer d'écarter. Il attend un peu sur les extérieurs. Non, Mathieu qui essaye d'avancer. Allez, on est rentré dans les 5 mètres. Bon, on essaye de centraliser la défense. Allez, l'arbitre revient un avantage pour Castres. Allez, je pense que là, pour Castres, on va aller chercher la touche.
pour essayer peut-être... Pour répondre à Lionel, pardon. Non, la saison prochaine, je n'entraîne plus. Donc, je suis libre, on peut dire. Voilà. Mais pas vraiment libre. Bon, pour entraîner, c'est la saison prochaine. Je suis à l'écoute de tout projet intéressant. Par contre, ouais, l'année prochaine, j'ai continué à jouer. Du coup, j'ai re-signé une saison de plus à Cossade. Tu vas nous voir. Voilà, en Fédéral 3. Alors, ouais. J'espère. C'est vrai que tu vas nous voir en match aller et retour. On sera good, c'est ce que j'allais te dire. Très bien accueilli à Cossade. Si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Mais nous, on viendra. Apparemment, le président, il veut que ça soit mon œil. Bon. Pas loin, Tarn-et-Garonne, président, c'est bon. Voilà, donc je re-signe pour ma dernière saison, et là je l'annonce haut et fort. C'est vrai, parce que tu nous avais dit ça déjà à la fin de cette saison, et puis finalement, nous avons dit qu'on part. Ça fait que j'ai re-signé. Mais tu as raison, tant que tu peux, joue. J'étais sur ma lancée, alors Castres qui est proche de la ligne avec le ballon, là ça va être une mêlée. Allez, on est sur la ligne, mêlée à 5 mètres. Mêlée à 5 mètres de la ligne avec... on n'est pas tout à fait plein centre, mais ça va donner une opportunité de jeu des deux côtés. Alors, Castres qui mène 10 à 7 contre Mont-de-Marsan, puisqu'on nous demande le score. 2 essais à 1 pour, pour être précis. Et je dis bonjour à ma frangine qui regarde. Bonjour la frangine. Oui, d'ailleurs, elle a dit bonjour à Alexandre et à Zaza, mais pas à moi. Bah oui, elle a oublié que tu étais là, parce que d'habitude, on fait notre duo. Pourtant, on est trio. Aujourd'hui, il est présent au micro. Voilà. Il est présent, Yannick. Alors, donne-lui le bonjour, notre ami Cyril, parce que sinon, il va pas être content. C'est pas grave. Et ça fait la belle brochette de portugais. On n'ira rien. Hein. C'est vrai. Là, pour le coup, c'est vrai. Il y a juste Thomas qui fait l'intrus aujourd'hui, notre réalisateur M. Salem. Qu'on salue, qu'on remercie, notre caméraman. Le caméraman officiel. Qui fait tout à la caméra. Allez, n'hésitez pas à commenter. Parce que tout au long de la semaine. Il fait un travail formidable. Il travaille là pour vous permettre d'avoir toutes ces informations sur notre page Facebook. Alors, bonjour Emmanuel Monnier, un petit coucou à la petite et un joyeux anniversaire. J'y fais des gros bisous. Bah écoute, le temps que les joueurs se mettent en place. Il est où le gâteau? Ah ouais, au prochain match, on va lui dire qu'elle nous l'amène contre Montpellier. Attention, on revient au match là parce que il y a potentiellement... Allez, mêlée pour Ori. Potentiellement une réalisation. Ah, moi je pensais qu'on va les plein faire avec. Alors est-ce qu'on va essayer d'aller enfoncer dans un premier temps? C'est Anthony Jolot qui va marquer l'essai. Ah ouais. On avait annoncé quand même Anthony Jolot sur ce départ mêlé qui était plutôt. Donc bravo pour les commentaires. Il y en avait plein qui disaient qu'il allait avoir essai. Bravo. Et ça s'est confirmé. Anthony Jolot, numéro 8 aujourd'hui. Qui est en pleine forme. Parce que on l'a vu première période. Excellent. Et puis là, s'extirpe de cette mêlée. Il a marqué des essais plus compliqués que ça quand même. Je pense aussi. Après, bon, c'était compliqué à défendre là côté jaune et noir. Allez, la transformation qui va être tentée par le numéro 10 de Fortune aujourd'hui. Fortunel. Oh, celle-là, on l'avait pas vu venir. Celle-là, c'est pas gentil pour lui. On me répond, elle me dit chiche pour le gâteau, Zaza. Donc, il n'y a pas de souci, on l'attend. Si c'est à la conne, je préfère un sandwich jambon. Nous mangerons le gâteau, ne t'affole pas, on mangera le gâteau. On est des gourmands, à Radio Olympique aussi. Il nous fait fortune, justement. Ouais, bravo. Parce que pour l'instant, franchement, Fortunel, il est présent. Et je réponds à Alex Ramillon, vous filmerez le top 14. Malheureusement, nous on voudrait bien, je vous assure qu'on voudrait bien, mais les droits de Canal+. Encore une fois, on manque d'argent. Exactement. S'il y a des riches donateurs, s'il y a des partenaires qui veulent nous aider tout au long de la saison. Même du Qatar, on prend. Voilà. S'il y a des partenaires qui veulent nous aider tout au long de la saison pour faire vivre à la fois les... Allez, Anthony Jolot qui avait touché le ballon dernier, qui le retouche. Les matchs du rugby amateur, parce qu'on est là aussi pour défendre le rugby amateur aussi. Les infos. Les conserver. Allez, Kevin Firmin. Les infos du Castres Olympique. Et vous avez vu la nouveauté en avant, devant l'ouverture du direct. Vous avez vu qu'il y aurait une nouvelle émission
à la rentrée sur Castres Olympique. Et je pense que vous aurez un petit clip à la mi-temps. N'en dis pas trop quand même, n'en dis pas trop. Laisse le suspense. C'est la grosse surprise de la rentrée. Le voilà. Suspense opéré. On dit bonjour à notre copain, Julien Desjus. Salut la team. Oula. Allez, bien, récupéré par Jérôme. Joli par oui. Allez, ah, Kylian, qui récupère le ballon quand même. Heureusement. Il se rattrape sur sa, une sur boule sa passe. Flipper. Oula, ça gratte au sol un peu. Bien conservé par Camille Girondeau, Thomas Fortunel. Pour Christophe Sanson. Allez, Christophe Wiongui qui protège avec Victor Moreau. Cocotte, Firmin. Il a trouvé le trou. C'est la dernière loupe de plaquage. Allez, dommage qui est pris sur attention, on est attention, ouais, le plaquage. Là, hein. Le numéro 7, allez, là, ça joue. Allez, Romy, cocotte. Allez, un contre 1, face au 8. Ah, parce que c'est pion. Mais il n'était pas 10 mètres. L'arbitre considérait qu'il n'était pas 10 mètres. Ouais, ouais, moi aussi. 15 mètres où il est, l'arbitre que 10. Je pense que aussi. Jérémy Thalès, voilà à quoi il peut servir. Alors, qui a marqué les essais du côté castré? Il y a eu un doublé de notre ami. Ça s'était ouvert, là. Armand Bail, voilà. Et le troisième de notre ami. Anthony Gelon. Anthony Gelon, voilà, je fais lire mes compères. Allez, essai de Dumora. Essai de Dumora. Allez, le quatrième essai du Castres Olympique. Et la une transformation aussi de Fortunel. Alors, on a Julien Tichit qui nous rend en direct. Le frère de Cyril. Exactement. D'Antoine. Le frère d'Antoine. Donc, Julien, j'espère que tu as affûté les baskets. Pour dimanche, pour le rugby golf, on t'attend avec une meilleure prestation, on espère, que la dernière fois. Ça c'est fait, c'est ça dit. Ça c'est fait, allez. C'est pour lui, c'est cadeau. Sa chambre. Et il attend dimanche avec impatience. On en parlera également ouais, on en parlera. Alors, le Castres Olympique donc, qui mène 22 pour l'instant à 7 contre le monde de Marsan. Allez, monsieur Fortunel. C'est plutôt pas mal quand même au niveau du score, 22 à 7 contre une équipe qui est déjà 15 jours, son troisième match. C'est plutôt intéressant dans le contenu. La conservation de balles est plutôt pas mal. Mm-hmm. Bon, après, il est vrai que Castres, ça fait 2-3 saisons quand même que ça conserve la grosse ossature. Il n'y a pas beaucoup de changements, effectivement. C'est plus facile à travailler. Et elle passe. Même s'il y a quand même un changement d'entraîneur, donc un changement sûrement de stratégie, de tactique, de ce que vous voulez. Mais quand même, l'ossature est restée, ça rend pas mal. Alors, je vois qu'on nous regarde encore, je dis un bonjour à Pauline. Allez, on va faire une petite pause water aussi, et pause pub, et on revient de suite après.
Allez, on revient en direct. Tout d'abord, merci d'être nombreux à suivre ce match du Castres Olympique ce soir sur notre page Facebook, un match que vous aurez l'occasion de revoir en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici quelques heures ou quelques jours. Cela dépendra du temps. Donc merci d'être nombreux. Quelques informations pour vous dire que depuis un mois, on a un tout nouveau et tout beau site internet et autant vous dire qu'on est content parce que c'est des milliers de vues que nous avons chaque jour. Et ça me fait, à titre personnel, très plaisir vu le temps que ça m'a pris à monter. Autre information, ben non, vous ne rêvez pas, il y aura bien une émission rugby Tarné sur Radio Olympique TV à partir du 24 août. C'est-à-dire qu'elle sera, cette émission sera diffusée 30 minutes en moyenne à la fin du match du Castres Olympique, que ce soit en top 14 ou en challenge. Et vous pourrez surtout interagir en direct et commenter, donner votre avis sur, sur le match du Castres Olympique. Et surtout, nous n'oublions pas les clubs tarnais, où nous inviterons des responsables et des joueurs des équipes locales que nous aimons tant. J'en profite pour remercier encore une dernière fois, parce qu'aujourd'hui encore on parle de ce fameux Sarah Good Day pour lequel vous avez été nombreux. Et c'est vrai que je tiens personnellement à remercier Sarah Good pour cette belle saison, en espérant les retrouver encore cette année. Et ça concerne, voilà, avec Cyril Ricardo, ça sera l'occasion. Voilà, donc je vais passer le micro à Cyril qui va nous parler du rugby golf, vite fait avant la reprise. Merci Thomas pour le coup de pouce. Oui, en effet, la deuxième compétition sur Castres Golf de Gourjade. Donc tout le monde peut venir s'inscrire, jouer cette compétition. Donc il y a de la place, vous pouvez venir sur place. Donc c'est par équipe de 3, vous venez même seul, on trouvera du monde toujours pour jouer avec vous. Donc cette nouvelle discipline qui existe depuis 2 ans maintenant sur le Tarn, donc le Challenge API, donc la société API qui sponsorise cette compétition du 11 août, donc c'est dimanche matin, le rendez-vous est fixé à 10h à Gourjade, n'hésitez pas à venir, même en tant que spectateur, hein, c'est toujours une bonne ambiance. Donc Alexandre et Zaza, on va parler maintenant vite fait avant la reprise de cette nouvelle émission. Un nouveau concept. On salue notre ami Julien et Thomas qui ont eu l'idée de ce vestiaire ou de cet après-match du Castres Olympique. Donc Julien Joligard qui sera présentateur de cette émission. Et vous pourrez intervenir pendant l'émission, bien sûr, pour réagir sur l'après-match, de votre ressenti par rapport au match du Castres Olympique, l'analyse. Voilà, donc vous pourrez commenter et dire en direct ce que vous ressentez, ce que vous avez aimé ou pas aimé du match. On essayera d'interagir avec vous tout simplement. Hein. Comme on fait actuellement, hein, pendant le combat. Faire en sorte de vous donner la parole aussi. Toujours parler plus de rugby, encore et encore. Hein. On est là pour ça. Voilà, forcément, il y aura des invités qui viendront. Également, la porte Radio Olympique n'est pas fermée. Hein. Qui veut venir pour écrire des articles, pour apporter son analyse, enfin, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, on est très ouvert, même pour commenter les matchs, on manque régulièrement de commentaires. Donc c'est reparti pour cette seconde mi-temps avec pas mal de changements. Zaza, je te laisse les annoncer. Du côté de Castres, donc on a Pierre Tartre qui est rentré en 10 à la place de Fortunel. Wilfried Patin est rentré aussi. Baptiste Delaporte, Florian Vialel, Lucas Tarin, l'espoir. Ensuite, Benjamin Lapeyre aussi. Ouais, Benjamin Lapeyre, Hans qui est rentré. Ensinki. Alors Roby Eberson aussi. Roby. Fameux Roby qui est rentré. Voilà. Et Geoffrey Palis aussi est rentré. Et puis après. Ah, ça fait plaisir de le revoir aussi, Geoffrey Palis. Ouais. Alors est-ce qu'il y a eu des changements? On nous pose la question en première mi-temps. Oui, il y avait eu des changements. Hein. Notamment au poste de Talon où Jordi Necker est sorti, c'est Kevin Fermin qui était rentré. Et au poste de pilier gauche, il me semble également qu'il y a eu des changements. Oui. Il y a des changements à Castres où Alexis Decaux est remplacé par Wayan de Benedettis. Exactement, Marc-Antoine Rallier là est rentré, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Allez, Gimeno aussi, Kevin Gimeno. Et Rory Cocotte qui s'affole. Voilà là. Gimeno est déjà sorti à la place de Kevin Firmin. Effectivement. Donc il me semble avoir vu les deux là, non? Ah non, avant. Peut-être. Oui, Firmin, du côté numéro 16, ouais. est en place, donc Marc-Antoine Rallier, il serait rentré peut-être.
Alors, Firmin peut-être qui serait rentré à notre poste. C'est Marc-Antoine Rallier que j'ai dû voir vite fait à la mi-temps et qui devait sortir, je pense. Il est en place avec le numéro 22. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Le numéro 22, donc il se positionne. Il peut jouer justement à la mêlée au poste de talonneur. Et il peut jouer troisième ligne aussi. Hein. Donc, non, c'est Firmin qui joue troisième ligne là. Ouais. Voilà, et c'est Kevin qui va reculer. Mais Marc Rallier peut jouer. Troisième ligne là. Marc Rallier, il est arrivé de jouer en troisième ligne, notamment à Bordeaux. Il a un profil atypique pour jouer troisième ligne. Quand il avait pris son carton, qu'on avait pris en carton. À savoir qu'il y a également encore Paul Sauzaré. Ouais, Paul Sauzaré, le talonneur, le capitaine. Qui passe devant nous d'ailleurs. Avec Antoine Tichit et Jérémy Fernandez, le demi de mêlée des espoirs. Allez, va le récupérer du côté castré. Allez, c'est bon, on avance. Oula, on est rentré dans les 5 mètres. Oula, là, on a envie d'aller scorer là, côté castré. Ah, il faut pas se précipiter. Florian Dallel aussi rentré. Il faut être patient. On est là pour bosser. Allez, peut-être un ballon qui va être écarté vu le positionnement des 3 quarts. Peut-être ou peut-être petit côté. Avec Benjamin Lapeyre. Non, c'est trop tard. On essaie d'aller voir avec les gros. Allez, on va buter sur la ligne. Des pick and go. Il faut ouvrir ce ballon. Ah, ça a été récupéré. Non. Non. Ah, pénalité. C'est mis à la faute. On va aller sûrement jouer la touche pour. Allez. Le Castres Olympique qui mène toujours 22 à 7, ça on rappelle, contre Mont-de-Marsan. Allez, n'hésitez pas à commenter. Une mêlée. Alors, une mêlée, comment, avec ton œil d'expert, là, d'entraîneur, comment tu trouves la ligne des 3 quarts? À savoir que c'est Baptiste Delaporte qui est passé en 8. Ouais. Donc, Baptiste, un profil qui est différent d'Anto, je pense un peu moins explosif. Mais plus gratteur. Voilà. Plus gratteur dans le jeu. Un peu plus petit, donc. Je vois pas le départ en 8, toi, après moi, je peux me tromper. Ouais, je vois pas non plus. Non, je pense, mais non, je pense qu'on va ouvrir. C'est ça. On va ouvrir. Avec le numéro 21. Double poussée. Le ballon a fait que Baptiste se soit parti. Le ballon n'a pas été contrôlé. Attention, peut-être un joueur qui ne se sort pas de la zone placard plaqué. Est-ce que le ballon va pouvoir sortir rapidement? On essaye. Accélérer le jeu devant. Allez, on est à l'intérieur de la ligne 5 mètres. On fait du pick and go du côté castré. Vous avez vu les trois quarts castrés qui n'ont pas changé la position. Ouais, toujours en position d'attaque. Geoffrey Balissé qui est rentré à l'arrière. Florian, il y a l'aile qui passe de l'autre côté peut-être. Ouais, on essaie d'y aller. Oh, non, toujours. Ça vient avec de la vitesse. On est sur la ligne. Pénalité, on a dû rentrer peut-être intentionnellement sur le côté. Ouais. Et on s'est mis à la faute du côté castré. On garde le ballon au sol. A bien fait le geste. On garde le ballon au sol. C'est dommage de, ouais, bonjour à Guillaume, de perdre bonjour cette cartouche à Tony, côté castré. Regarde, Cyril, Florence, on était Jean-Luc, à 2 mètres de la Monica, ligne d'un but. Continuez à commenter, à regarder, à partager, n'hésitez pas. Taren, le 11, c'est Taren. Qui joue en centre. Hein. Mais là, qui joue à l'aile. C'est Tartre, le demi d'ouverture. Tu as remplacé Fortuna à la mi-temps. Non, pas ça. Donc on a la réponse pour notre troisième 10, du coup. Voilà, Tartre. Je pense que ce sera plus Tartre que Dumoura qui est sorti. Dumoura, exactement. Qui est sorti. Ouais, prise des Montois. Qui forme un groupe de petit coup de pied. Direct. Vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai dit sur la première mi-temps. Il était un peu trop excentré. Un peu trop centré, pardon. Là, il a voulu l'excentrer un peu plus, mais c'est directement en touche. C'est le risque également. C'est le risque. Après les demi de mêlée, c'est vraiment pas évident. Et surtout, ça occasionne une touche à l'endroit du coup de pied. Ouais. À l'intérieur. Avec un lancer, évidemment, pour Marc Rallier. Marc-Antoine a rallié. La patate est un peu trop forte. Ça passe. Et on a rejoué vite. Ouais, deux belles passes. Attention sur Gerber. Sur le 14. Allez, bien pris. 14. Allez, on essaye, on retarde.
Et Dorian Clerc aussi qui était rentré, pardon, numéro 18 du côté Castres. Ensinki. Allez. Allez, ballon. On essaie de monter. Allez, Colli. Toujours au poste de numéro 9, côté Mont-de-Marsan. De la porte qui est montée comme un âne. Allez. Ça conteste, mais on est hors-jeu. Ouais, on se sort pas de la zone de placard plaqué, là, côté Castré. On vient plaquer, mais il faut se sortir pour donner la possibilité à Mont-de-Marsan de donner la continuité au jeu. Bon, Mont-de-Marsan est bien content, hein, ça va leur permettre de se dégager de leur tout camp. À fait. Ouais, parce que Castres met du rythme quand même, hein, finalement, dans le jeu, dans les impacts. Mais c'est-à-dire qu'à la suite de ce coup de pied là du numéro 9, et on va peut-être pas trouver la touche. Non, c'est bon, on la trouve. Alors, est-ce que Wayan De Benetis est rentré? Oui, il est rentré en première mi-temps. On va pouvoir voir une offensive des jaunes et noirs. Romain Durand, je ne sais pas s'il est rentré, je ne peux pas te dire, je ne sais pas quel numéro il a. Alors c'est sans numéro normalement. Ah donc Romain Durand est sans numéro, donc on va regarder ça. Donc Romain Durand, on le rappelle qu'il est un joueur formé à Brassac, qui joue côté Montois. Allez, lancé pour le mandement de Marsan. Fond de touche, oh bien contré. Bien contré. Hein. Par le encore, numéro 7. Encore dommage. Kevin Gimeno. Attention parce qu'on va avoir le feu. Au Tatra, joli crochet. Ouais. Heureusement, conserver le ballon, ça repart au ras, ça vient fixer encore dans l'axe, bien plaqué par César Damiani. Allez, Wilfried. Wilfried, donc patin. Et on perd le ballon. Allez, petit pied. On a fait un petit en avant. Ça va être compliqué ça aussi. Donc patin et Ntsinki, ils ont la même coupe là. Ouais. Ah ouais, c'est. Bah, Ntsinki est un peu plus ébouriffé quand même au niveau des cheveux, capillairement parlant. Ouais, bah alors là, pour le voir de ouais, pour le voir de si loin, peut-être un Ntsinki de couleur un peu plus foncé. Ouais, possible, les origines sont pas les mêmes. Mais effectivement, c'est vrai que de loin, c'est un peu compliqué. Alors, merci à tous pour vos messages. Hein. Continuez. Bonjour à Laurie qui nous regarde aussi. On rappelle LCO qui mène toujours 22 à 7. Introduction Colli pour cette nouvelle mêlée. Colli qui n'a pas encore cédé sa place, hein, qui restait dans l'air de jeu alors que après, côté Castré, on avait changé. Ça, c'est différent de Castré, c'est leur troisième. Le prochain match, c'est le match du championnat. Donc. Tout à fait. Et puis il faut le noter aussi, ils sont venus à beaucoup moins que le banc Castré. Hein. Ils se sont déplacés à... Ils viennent d'un peu plus loin, et le budget était peut-être un peu plus cher. Il n'y a que deux joueurs, d'accord. C'est pas le même budget. C'est ça. Alors qu'il est interdit de fumer en tribune, c'est une très très bonne chose. Merci Président. Ça c'est fait, c'est cadeau. Allez Colli. Allez, introduction, Mont-de-Marsan. Une belle mêlée, hein. Bien stable, ça progresse côté Mont-de-Marsan. Attention, et on a récupéré du côté. Je pense que c'est l'arbitre de touche qui l'a signalé en face. Alors vas-y, explique-nous là ce qui s'est passé. Mais écoute, l'arbitre de touche a décelé un tirage de maillot de la part du pilier gauche montois. C'est-à-dire qu'il a tiré le pilier droit vers le bas. Ce qui est le plus facile à faire pour le pilier gauche, puisque le pilier droit a le talon et le pilier gauche en face de lui, donc il a deux épaules prises. Ouais. Et à partir du moment où il déséquilibre vers le bas, c'est beaucoup plus compliqué pour le pilier droit de pousser. Donc il a été pris par l'arbitre assistant, et l'arbitre a suivi sa décision, et ainsi fait une pénalité pour Castres. Et pénalité logique. Merci Yannick pour toutes tes explications. Alors, moi, je continue le temps que la touche se fasse. Oui, excusez-moi, j'ai oublié les deux points de la transformation 24 à 7. Voilà, pour Castres. Allez, touche pour Kevin Firmin. Qui allez, le bonjour, Kevin Gimeno. Oh là là, c'est mal donné, ça c'est des détails. Fiateteux. C'est des petits détails, mais qui permettent à Mont-de-Marsan de récupérer le ballon. Heureusement, il y a un joli plaquage. Bon, allez, c'est dommage quand même, parce que Mont-de-Marsan, ils veulent quand même mettre du rythme et essayer de porter le ballon. Hein. Ah, après, ce qui est intéressant, bon, bah, toujours pareil, c'est l'équipe de top 14 contre une équipe de Pro D2, mais
Mont-de-Marsan n'arrive pas hein, quand même à proposer du jeu, un peu en première mi-temps. Oui. Mais malgré leur troisième match de préparation, je trouve Castres bien fringant, même si on fait plein de changements. Mais je trouve que le collectif est toujours là, même avec les changements, pardon. Et défensivement, Castres est en place. Hein, Mont-de-Marsan qui n'a pas beaucoup avancé. Et on le voit là sur cette touche récupérée par Mont-de-Marsan, bon ballon de relance, mais vite arrêté par la défense Castres. Ouais. Sachant bon, même, même si elle a été quand même deux fois mise à mal, enfin deux fois, une fois mise à mal sur le premier essai là, de Mont-de-Marsan. Ouais. Mais, alors Durand est rentré, hein, on le voit là sans numéro qu'avec. Le carré noir. Antoine Tichit qui revient. Avec Paul Sozaré. Avec Paul Sozaré. Le capitaine des espoirs. Peut-être pour une entrée. À mon avis. À la place de Kevin Firmin. Pour remplacer Paul Sozaré. Kevin, sans doute. Et je pense que Rallier va glisser. Il y a forte chance. Rallier risque de passer en troisième. Ouais. Quoique là, on voit Kevin Firmin au talon. Hein. Ah, ça intervertit, on peut intervertir. Ouais, parce que sur la touche d'avant, c'est Marco qui avait lancé, et là, c'était Kevin Firmin. Marco passe troisième ligne, elle, là, sur la phase de jeu. Là. Et côté ouvert, en plus. Ben, on connaît ses cannes, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai que la seconde mi-temps... À mon avis, en ayant Marco ici, je ne suis pas sûr que ça joue au large. Ouais. Oui, donc on disait que c'est vrai que la seconde mi-temps est un peu plus hachée, mais c'est normal, hein, parce que... Du côté Castres, on a fait du changement. Qu'on a écrit, on a changé toute l'équipe. Hein. Être en position, oh là, souffle. Oh, là, on a souffert sur la mêlée. Là, on a souffert sur la mêlée. Le monde de Marsan, là. Castres s'est fait retourner. Bravo, là. Ouais. Bravo. Et merci, Salim. Salim, je pense qu'on attend toujours la petite table, hein, du côté de Radio Olympique. Je dis Salim, je disais que Salim qui nous dit bonjour. On attend toujours sa petite table. Allez, une touche. Alors le 18, c'est Helsinki. Hein, c'est, le 18, oui. Le seconde centre, ligne de Grenoble. Le centre numéro qu'on disait tout à l'heure. Et que... Ouais, alors il y en a deux, j'ai l'impression. Voilà, numéro. Durand. Hein. Durand, ouais. Durand hein. Kevin, voilà, Firmin qui sort. Et Wayan De Benedettis qui sort aussi. Firmin qui sort, donc, voilà. Donc si Firmin sort. C'est Sozari qui est rentré et Antoine Tichit. Allez, touche côté Montois, dans les 40 mètres castrés. Allez, lancé par le talonneur. Premier bloc, il n'y avait pas de contre en face. Ça se forme en groupé pénétrant. Avec limité au niveau de la faute, vous avez vu le soutien arrière qui est passé devant le sauteur. Mais bon, ça c'est l'arbitre, ça continue, ça progresse quand même. Et non, on a récupéré le ballon, là, c'est côté castré. Bien récupéré dans le molle, arraché à la force de Royan. Et Berson. Allez, il croise avec Tarin. Allez, on a toujours le ballon du côté castré. Oula, la belle sautée sur Geoffrey Palis. De Rory. Palis qui revient. Allez, qui conserve le ballon avec Rory. Allez, le ballon. Benjamin Lapeyre au soutien. Rory. Allez sur Antoine. Tichit bien sûr. Aïe aïe aïe. Hans qui oublie le ballon. Helsinki, le panier percé. Gerber qui tape. Allez, logiquement. Qui et une belle touche. Le ballon. Non, pas non il tout. Va pas trouver la touche. Dommage. On va être dans les 22 mètres. On joue avec Marc-Antoine. Sa course, rien qu'à sa course, on a vu que c'était lui. On reste dans les 22 mètres. On va pouvoir taper en touche pour se donner de l'air. Allez, bien récupéré. Mais ça joue debout. Florian Mialel. Ah, ça vient jouer encore, hein, ça cherche là. Ah, ballon perdu. Et pénalité, le joueur a été retenu avant. Allez, on va pouvoir se dégager et aller sans doute jouer du côté de dans le camp de Mont-de-Marsan pour Castres. Alors, les changements au Stade Montois sorti. Alors, merci Salim. Nous attendons la petite table donc pour le début de saison. Merci beaucoup pour le cadeau. La saison a commencé, non ? Oui. Ah, la saison a. Belle touche. Trouvé par Geoffrey Palis. Ouais, qui renvoie le jeu. Allez, à 30 mètres. Hein, du côté Mont-de-Marsan. Alors, c'est Paul Sozari qui va au lancer. Et Romain Durand qui rentre à la place de Vavrin, hein, à Mont-de-Marsan. Ouais. C'est ça. On rappelle Romain Durand formé à Brassac.
Allez, et Jérémy Fernandez par, qui devrait bientôt faire son apparition du côté Castres aussi. Touche réduite, hein. On voit Benjamin Lapeyre juste après le numéro 10. Ça a combiné. Ouais, voilà. Marc-Antoine Rallier. Volontaire, hein. Pénalité. Qui prend le ballon, qui avance avec sa puissance. Allez, avec Rory. Cocotte qui renverse dans le dos. Oh la belle. Le ballon oublié, on va revenir à la pénalité. Ouais. Et on revient à la pénalité. Du côté Castré. Volontaire. Et on va bientôt voir Marc-Antoine Rallier, premier centre. Hein. Bientôt. Mais écoute, vu sa caisse, vu sa vitesse, bon, pas, peut-être pas au centre toute la saison, mais. Mais ça peut être pas mal. Mais là effectivement, on l'a vu, il aurait pu être dans cette position. Ah, vous ne vous souvenez pas de l'interception qu'il avait fait à Bordeaux ? Oui, tout à fait, oui. Il y a deux complètement ans. Complètement en coin. Et Marc en coin, il était parti du coin d'une interception dans le camp de Castres. Et même pas mal. Ah, si, après, il était crevé. Il avait craché les poumons, il avait dû sortir, le pauvre. Savoir que Marco, déjà en jeune, était très. Très impressionnant. Ouais, il est très rapide. Au niveau de la VMA, c'était un des tout meilleurs. Alors, Kevin Gimeno, pareil, qui a perdu le ballon, s'est récupéré. C'est pas ça du côté Castré, hein, sur les touches. Ah, j'ai des petites fautes qu'on n'avait pas vues pourtant pour un mi-temps. Non. Et Rémi Dallès qui est sorti. Dallès qui sort, et Kribach qui rentre au talent côté Mont-de-Marsan, ancien joueur de Bourgoin. Kribach, ouais. On va observer qui c'est qui va prendre le numéro 10. Des positionnements surprenants quand même, hein, par rapport aux positions normales, on va dire, si je peux me permettre. Avec Marc-Antoine Rallier en troisième ligne, là, c'est vrai qu'on l'a jamais vu. Ainsi. Il y a des nouveautés. Il faut tester de la porte en 8, Anthony Gelon qui revient à son poste de prédilection. Non, mais c'est pour ça, pour expliquer justement à tous les gens qui nous suivent aujourd'hui, qui sont sûrement autant surpris que nous. Après, il y avait 4 talons sur la feuille de match côté Castres aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui sont dans la Coupe du Monde, donc il y a des blessés aussi. Donc il faut. Essayer, tenter des choses, parce qu'on ne sait jamais si la saison est longue et s'il y a une blessure, il faut même pouvoir pallier à la blessure par un autre joueur. Donc, Je pense qu'au niveau de l'effectif, quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de l'effectif, quand même, ça m'a l'air pas mal quand même pour la saison à venir. Oui, il y a du monde. Je pense qu'il a dégraissé un peu parce qu'il veut faire peut-être un peu plus confiance aux jeunes. Aux jeunes, il l'a dit clairement, de toute façon. Hein. Après, on sait très bien qu'on n'a pas les moyens des grosses écuries, donc il faut faire confiance à la jeunesse. Ah, donc, coup franc. Vite joué par Colli. Hein, et Baptiste derrière, sur ses appuis. Ah, il est allé au sol, il a glissé. Il n'y a pas la faute. Ouh, oh. Allez, bien gros plaqué de Paul Sauzaré. Non, par contre, Tartre, excusez-moi. C'est Tartre, pas Tartre. Tartre. Tartre, ouais. Tartre, excusez-moi. Et Jérémy Fernandez qui devrait faire son apparition, sans doute à la place de Rory. Alors Gimeno en touche, un petit détail qui a marqué. Il est beaucoup visé parce que c'est un très, très bon sauteur en touche, notamment en fond. Par contre, il a un ballon tombé, il a un autre passe mal assuré pour le 9. Ça fait déjà deux ballons perdus pour lui. Attention, il n'a pas beaucoup joué déjà la saison dernière à cause de blessures en début de saison. Après, peut-être des choix de l'entraîneur. Allez, pause de fraîcheur du côté... Les deux équipes. Donc après, on rappelle. Le match n'est pas fini. Ouais. Et puis bon, il y aura plusieurs matchs aussi de préparation, notamment contre Bristol la semaine prochaine. Oui, qui devrait être une toute autre opposition. Mais c'est vrai, pense. Tu as raison de le dire quand même, que depuis qu'il est entré, il ne fait pas forcément les bons choix. Voilà, il n'est pas dans ses meilleurs jours. Le CO qui mène 24-7. On nous pose la question sur les matchs amicaux. Là, apparemment, ça semble faible à certains d'entre vous, notamment Marc, Marco. Alors, sur l'engagement, non, c'est pas faible. Après, au niveau du jeu, je suis, je sais pas ce que vous en pensez, mais déçu un peu de Mont-de-Marsan quand même.
pour leur troisième match amical, je trouve que ça joue pas des masses. Alors est-ce que c'est Mont-de-Marsan qui est un pied en dessous, qui est en fin de préparation, qui fatigue, ou est-ce que c'est Castres qui est quand même largement au-dessus? Mais c'est plus Mont-de-Marsan, moi, qui me fait peur. A-t-on peur aussi justement de ne pas se blesser? Ou quand on est sur des matchs de préparation aussi, l'intensité, tu le disais justement, l'intensité est moindre. Et du coup, peut-être en deçà, du coup... Oui, pour des joueurs qui sont sûrs de jouer, qui ont joué de la saison dernière, sachant qu'il n'y a pas eu trop de changements de poste à part David Derrick Carrère qui est arrivé derrière. Mmh. Sinon, devant, c'est les mêmes joueurs. Alors, ouais, peur de ne pas se blesser. Après, le problème au rugby, c'est pas comme au foot. Hein. C'est que si tu joues pas 100%, tu te fais mal. Hein. Tu le sais, hein. Si tu joues en demi-teinte, c'est toujours plus compliqué. Belle prise en touche. Surtout pas en retenue, quoi, c'est ce que tu veux dire. Bien défendu. Dommage, Paul Sozari, il était bien placé pourtant. Mais pas mal, le numéro 16. Pour répondre à question. Ouais. C'est un joueur de Bourgogne. Moi, j'avais bien aimé, j'avais vu plusieurs fois. Moi, je trouve que les Castres sont très affûtés. Moi, je les trouve très affûtés pour leur premier match. Je suis désolé, mais. Ah, il a mal joué, il a joué très vite. Fernandez, dommage. Ouais, mais le posi. C'est Fernandez. Ouais, c'est Fernandez. Mais je trouve que l'arbitre a été un peu sévère avec lui parce que le joueur de Mont-de-Marsan c'était pas levé du regroupement aussi quoi. C'est pas faux. C'est pas faux, après personne ne l'a obligé à jouer vite. Hein. Je oui, pense que c'est vrai. Pour moi, en tout cas dans la règle, je pense que c'est ça. Personne ne l'a obligé à jouer vite. Hein. Le joueur était au sol. Il aurait pu s'en détourner un peu pour la jouer un peu plus loin. L'erreur de jeunesse, on va dire la fougue. Mais oui, donc ce que je disais, moi je trouve que Castres est très très affûté pour leur premier match. Je les trouve en canne. En canne, oui. Bon, après, en percussion, on ne peut pas trop juger encore. C'est ça, le premier match, ils ne vont pas non plus... On voit des choses se développer, mais... Et voilà. Par contre, en mêlée, ça bouge. Hein. Ouais. Là, ça on bouge. Souffre plus qu'en première mi-temps. Ça fait plusieurs fois... C'est la deuxième fois que droite, l'axe droit de la mêlée Castres, c'est pas au top. Hein. Donc ça serait côté Tichit. Oui, côté Tichit. Oukpantin. Non, Oukpantin. Tichit est à gauche, excuse-moi. Touche trouvée à l'intérieur du camp. Castres. Et Oukpantin qui a pas mal joué en fin de saison dernière. Ouais, mais il s'est adapté au top 14. Hein, c'est vrai que de passer de Fédéral 1 à top 14, surtout un club qui était champion de France, ça n'a pas été facile. Un club qui monte en Pro D2 d'ailleurs, son ancien club. Alors on va pas en parler de suite. Ouais, hein, non, on va pas parler suite, de suite, non. Parce que sinon on va blesser. Même s'il y a du jaune et noir ce soir. Ah, bien touche. Bien percuté. On va éviter d'en parler. Non, on va pas en parler. Alors Colli qui a essayé de se faxer à petit côté mais qui n'est pas arrivé, qui a été bien mis poussé en touche. Le Colli n'est pas passé. Ça c'est fait. Par la poste hein. Ah mais je pensais quand même, il pouvait pas rester pendant 80 minutes sans en faire au moins. Kevin Gimeno qui a pris le ballon en touche et groupé pénétrant qui est formé. Ouais, ce que je vous ai dit tout à l'heure là, Mont-de-Marsan qui a laissé le groupé pénétrant se former. Du coup, allez, ça laisse le champ ouvert à Castres. Allez, le ballon et la pénalité. Allez, ça joue vite. Là, c'est bien Jérémy joué. Jérémy cette fois. Ouais. Allez, prends le trou, il avance. Fernandez. Une belle petite percée. Personne qui libère ce ballon rapidement. Allez, Paul Sozari. Qui garde le ballon, qui a voulu faire la passe à Antoine Chine, mais qui était déjà pris. Allez, Jérémy. Ça rechange de sens encore pour Geoffrey Palis. Il essaye de mettre de la vitesse, Fernandez. Ouais, on l'avait vu avec les espoirs, allez, c'est son jeu. Emerson. Oh là, le 5 numéro qui est peut-être un plaquage un peu limite, mais l'arbitre ne dit rien, jeu continue. Ankinsi qui libère son ballon, c'est un peu l'arbitre dommage. Allez, Tartre dans le dos pour Palis. Marc Aurélio a gagné. Allez, Belal qui, heureusement. Allez, Geoffrey. En position de 9. Wilfried, ça déménage. C'est hors jeu, Cribache qui tombe. Allez, Benjamin Lapeyre. Allez, qui prend le coup. Il cherche l'extérieur. Il s'est fait croquer dans les 22 mètres. Il a libéré son ballon. Il a levé pour Emerson. Dommage, Emerson était déjà pris. Allez, toujours le ballon. Ça sort vite quand même. Allez, Paul Sozari qui a le ballon. Il libère pour Tartre. Allez, un avantage pour Castres. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des petits plaquages. Peut-être on est dans le rouge. Peut-être côté.
Ça joue vite. Côté jaune et noir là, et du coup comme ça joue vite, peut-être les organismes sont mis à rude épreuve côté défense. Allez, Jérémy. Qui donne Inter. Allez, sur l'Inter. Avec son ailier Benjamin. Allez, il a vu le trou, Jérémy. Il est juste repris avant la ligne. Bien libéré. Ah oui, allez, essai. Elle a bel essai. Du côté Castré. Bien joué, belle action. Belle action. Bien conservé. Deux exploits individuels qu'on peut faire avancer Castra. C'est Marc-Antoine Rallier, non ? Non, moi je dirais Lucas Tarin, non ? Ou Marc Rallier ? Si, si. Si, peut-être. Si. Non ? Rallier ? Non, je pense pas que ça soit Rallier. Je pense plus à... Moi, Tarin, non ? À 8. Le 8... Non, c'est Baptiste Delaporte. Je pense plus à Baptiste Delaporte. Je sais pas. Je l'ai pas vu de loin, je peux pas vous dire. Je pense plus à Baptiste Delaporte avec son numéro 8. C'est possible. Peut-être que le speaker l'a mieux vu que nous. Ouais, mais... je pense. Allez, la transformation est ratée du côté Castré. Par le milieu de l'ouverture. Ça a été tapé en drop après. Ouais. Ça a été tapé vite fait. Ça va plus vite. C'est comme parti. Ça, on continue le jeu à la main. Un essai de plus, hein, côté Castré. Et non pas jeu de vilain. Ni jeu de Toulousain. Hein, on va pas le... Puisque... Allez. On aime le rugby tarné à Radio Olympique TV. Belle fermé, renvoyé, récupéré par les Castrés. Ouais. Allez, Tarin, sur Gimeno. On protège du côté Castré. Et Castré qui garde le ballon. Ouais. Hein. Castré qui garde vraiment le ballon. On cherche encore, tu as vu dans l'axe, fait deux départs au rang encore. On cherche à resserrer cette équipe. On fait mal, hein. Le Mont-de-Marsan. Attention, on va pas se faire croquer. Il n'y a pas d'en avant. Le ballon est conservé par les Castrés. Attention au contre-ruck de Kribach. Non, on a sur les ballons. Non. Allez, c'est bien bon. Bien joué, bien sorti par Sozare. Gimeno. Allez, on remet de l'avancée. Nkinsi qui revient inter parce que c'est monté à fort externe. Il a voulu la donner après contact, mais c'est bon. Jérémy Fernandez, Tatra. Allez, Tatra. Qui garde le ballon. Il a vu le trou. Dommage. Bien, Eberson au soutien, très bien. Allez, Antoine Tichit en position de demi de mêlée. Ça ne doit pas lui arriver souvent. Oula, attention. Allez, petit coup de pied, Jérémy Fernandez. Coup de pied. Joli coup de pied, Jérémy Fernandez. Qui ne va pas sortir. Attention, ce ballon, il a été rentré dans les mêmes. Il a été rentré dans les 22 mètres. Attention, il va falloir rester dans l'air de jeu. Allez, Geoffrey Palisse à la réception. Impeccable, comme en habitude. Non, on va jouer à la main. Non, on va relancer. Allez, il avait trou. Pour Tatra. Et Palisse. Ah, il a glissé, dommage. Le tapis. Il a marché. Il avait cherché Benji sur l'extérieur, il avait essayé. Il a voulu y aller tout seul, il aurait pu, mais il a glissé. Ouais, mais je pensais que c'était trop tard. Il avait pas monté les bons pneus. C'était trop... c'est dommage. Peut-être les vissés de Tichit de demain. Ah oui. Allez, les on jolis s'organise. Ballon, le ballon, attention. En avant, en avant. En avant, oui, en avant. Oui, en avant. Dommage, le ballon est mal libéré. Dommage, là, il a croqué la feuille. Geoffrey Palisse. Ouais, comme on dirait bon, du côté de la Corée, c'est Mandiel Kambadjou. Mont-de-Marsan qui a pas beaucoup le ballon. Hein. Clairement, Castres garde la possession de celui-ci. Et du coup, enchaîne les phases de jeu. Entrée du numéro 20, Théo Bjorken. Du numéro 21, Nathan Courtade. Et du numéro 22, Tim Joker. Alors Didier Dico qui nous annonce qu'il n'y a pas assez de soutien. Je ne suis pas d'accord avec lui quand même parce que la conservation de balle a été plutôt propre côté Castré. Oui. Je pense qu'on a été, il me semble, de tête, on a été pénalisé deux fois depuis le début du match. Oui. Ce qui n'est pas énorme vu le temps de jeu, le temps de jeu de Castré. Oui, surtout sur les tentatives de contre-rack qu'a proposé Mont-de-Marsan. Alors que les deux meilleurs joueurs montois sortent. Hein. Après, ouais, je pense que là où on n'a pas été bon, Colli. C'est sur la touche. Ça, c'est sûr. Sur la touche, on n'a pas été bon. On a Colli qui est sorti et Adrien Séguré. Et Gerber. Les trois joueurs qu'on a vu le plus à Mont-de-Marsan. D'ailleurs, Gerber se fait remontrer un peu les bretelles par. Ouais, parce que je pense qu'il était cuit. Parce que c'est vrai que il aurait pu relancer. C'est vrai que la défense Castres n'était pas montée extérieure. Et lui, il a préféré jouer au pied. Du coup, ça fait une relance sur Anton Tichit. Sur Geoffrey Palisse, pardon. Je vois Anton Tichit à l'arrière. Ils sont copains comme cochons les deux, mais. Oui, mais c'est pas le même gabarit. Non, c'est pas la même vitesse surtout. Aussi. Quoique Geoffrey s'est épaissi. Hein. Bon, de là, je joue à pilier gauche, non. Ça, c'est sûr.
Allez. Mais bon, 10 sheets à l'arrière, beaucoup moins probable. Bien gratté. Allez, c'est conservé par Mont-de-Marsan. Mais on gêne. Le ballon bien joué, on a récupéré le ballon avec une pénalité. Un peu le bordel dans ses rucks. Allez, ça joue. Allez, ça joue à la main, rapidement. Ah, on pourrait... Ouf. Grosse percussion, là. Allez, je vous donnerai l'expression après. On finit l'action. Bien joué. Ah oui, là, c'est super. Allez, Paul Sudaré, récupéré. Bien les jeunes. Ah, bien. Allez, au soutien, attention. Baptiste. Attention, Baptiste, là. Ah, il a déménagé, là. Il était à la hauteur. Il s'est bien baissé, mais... Il est arrivé. Allez, à les Lucas. Jouer. Ah, et... oh, attention. C'est dommage, peut-être qu'il aurait dû. C'est Tarin, hein, qui a pris le trou. Tarin qui arrive de Narbonne. Hein. Il a eu du nez. Ça, c'est connu. Un essai. Et un essai pour Côté Castré. Un essai qui est validé ou. Patin. Ou Patin, ouais. Wilfried, ouais, qui marque. Son premier essai de la saison. Ce trou pris. Allez, je vous donne l'expression. Je vous donne l'expression que j'ai donnée. Comme on dirait à la conne, puisque c'est mangette ou kamadjou. Il s'est mangé la feuille ou il s'est mangé le jambon, en fait. C'est pour ça que je disais la conne. Voilà. Quand il a raté ça. Quand il s'est mangé, laissé Geoffrey Palisse. Bon. Ah non, pénalité. Ah oui. Non, mêlée. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mêlée. Donc pénalité. Ouais. Donc il avait sifflé une pénalité. Mais bon, avec le bras tendu comme ça. Non, ouais. Et oui, il a la gestuelle. La gestuelle. Ou alors peut-être un essai refusé. À mon avis, c'est l'arbitre. Un essai refusé. C'est mêlée pour Mont-de-Marsan. Ouais, parce que Wilfried. Il faut revoir. À mon avis, c'est l'arbitre de touche puisque c'est mêlé pour Mont-de-Marsan. Exactement. Donc il y a dû y en avoir un en avant, juste avant d'aplatir. Ou un en avant. Oui. Il n'y a que la possibilité de l'en avant, excuse-moi. Allez, introduction Mont-de-Marsan. Ah ben là, ça y est, on a repris. Voilà, Castra a repris. On laisse encore la possession de balle au jaune et noir. L'arbitre n'a pas décelé de faute. On a vu quand même de belles choses côté Castré. Ouais. On a un commentaire là. Si je peux mettre affiché plus. Alors, apparemment, il manquerait une seconde ligne pour le départ de ma fille. Pourquoi pas une seconde ligne. Après, on est pas mal quand même au niveau effectif en seconde ligne. Est-ce que, vu qu'on est en période de mercato footballistique, est-ce que au niveau du mercato rugbystique, est-ce qu'on est encore dans la période? On est encore dans la période, à savoir qu'il n'y a pas... Il n'y a pas trop de fenêtres mercato rugby, c'est-à-dire que les joueurs qui sont transférés, hormis Benjamin Fall qui reste toujours le premier. Mm-hmm. Non, c'est pas Benjamin Fall, c'est. Benjamin Fall qui reste le seul joueur aujourd'hui à avoir été payé, donc 500 000 euros par le Racing. À l'époque où il joue au Racing, il avait été débauché. Sinon, c'est que des joueurs qui n'ont plus. Non, pas le Racing à l'origine. Et après, il est parti à Montpellier après toutes ses blessures au Racing. Et c'est des joueurs qui sont tous en fin de contrat. Donc là, hormis prendre des joueurs comme a fait les London Welsh avec. London Irish, hein, ma fille, où il est parti. Avec ma fille, oui, exactement. Où c'est le joueur qui a. Hop là. Où c'est le joueur qui a racheté le contrat pour signer en Angleterre. Sinon, c'est que des joueurs sans contrat. Donc. On peut avoir des chômeurs, évidemment, de bons chômeurs qui peuvent être. Oui. Qui peut être représentés sur la ligne, sinon c'est compliqué. Autant faire confiance à des jeunes. Comme Victor Moreau, ça y est, on espère cette année, il va éclore. C'est la dernière, il n'a pas beaucoup joué. Donc il y a quand même de l'effectif. On a Simon Meka, qui était capitaine des Crabos il y a deux ans en finale, qui a joué, qui a fini capitaine d'ailleurs la saison dernière à désespoir. Bon, qui manque encore un peu de gabarit, qui est jeune, mais qui tape à la porte de l'équipe première. Je l'ai vu s'entraîner avec les pros en début de saison. Donc Simon Meka formé à Alban. Donc pas forcément besoin d'une seconde ligne, je ne pense pas. Ah, mais après il faudra attendre le retour des joueurs à la Coupe du Monde. Cafouillage. Il pourra y avoir des jokers médicaux qui vont se libérer aussi. Hein.
Après, on gueule toujours sur la formation française. On a aujourd'hui, alors il y en a qui gueulent, mais moi je trouve que c'est une chance d'avoir une Coupe du Monde qui se joue en plein championnat. Ça permet d'avoir plein de joueurs qui sont repérés à ce moment-là, des jeunes joueurs. J'aimerais qu'un jour un journal fasse la liste justement de ces joueurs qui ont éclos et qui jouent aujourd'hui en top 14 régulièrement ou même en équipe de France, qui ont joué leur premier match pendant ces phases-là de Coupe du Monde. Il n'y en a pas beaucoup. On ne sait pas, je pense qu'on n'a jamais fait la liste. En tout cas, j'aurais aimé qu'un journal, notamment le journal jaune, nous fasse un petit débrief sur ça et les années Coupe du Monde. Quel joueur a éclos à ces périodes-là, quoi. Il faut compter. Ah, après, il y a les espoirs. Il y a les champions du monde de 20 ans. Tu vois ce qu'on parlait tout à l'heure, Alexandra ? Ouais. Montois, alors c'est vrai qu'on n'a pas précisé en début. Oui, en effet, on est castré. On est castré. Ouais, on est pro-castré. C'est sûr que... Alors, si, on l'a dit, pour l'arbitrage, l'essai tout à l'heure de Dumora, il n'aurait jamais dû y être parce que le Thalès était bien placé à 10 mètres. Il y a des fautes, en effet, qui ne sont pas sifflées. Mais bon, l'arbitrage en soi, c'est pas ce qui est catastrophique. Moi, c'est plus. Le jeu du Stade Montois. Attention, qui m'inquiète. Attention à la réception du Castré, qui s'est fait mal en plus en sautant. C'est-à-dire toujours des petites fautes de main, des petites approximations qui font que le stade Montois ne peut pas accélérer son jeu et garder la possession du ballon pour pouvoir mettre à mal la défense castraise, tout simplement. Tout à fait. Alors là, Mont-de-Marsan, depuis le début du match, en fait, se nourrit des fautes castraises. Et du coup, avance grâce à ça. Hein. Ils avancent pas grâce à leur jeu. Alors oui, trois scores différents, en effet. Il y a 29-7 au score. Le score officiel, c'est 29-7. On a répondu 34 tout à l'heure parce qu'il y a eu un essai refusé par l'arbitre de touche. Donc une incompréhension au niveau du score. Donc il y a bien 29-7. Allez, une mêlée. Allez. Avec le numéro 20. Durquet. Le numéro 20, demi de mêlée de cette équipe. On fait une remarque sur les Dalton Montois. Je tiens à préciser que j'ai vu les maillots de près tout à l'heure. Eh bien, ouais. Ils sont moches. Ils sont moches. Je veux vous dire, alors que le flocage au dernier moment du maillot, ça fait vraiment pas joli. Bon, je travaille là-dedans, c'est sûr. Mais c'est pas digne, pour moi, c'est pas digne d'une équipe. Voilà, belle poussée du côté castré. Ah ouais, on a rectifié le tir du côté castré sur la mêlée. Allez, pénalité côté castré, là, personne n'a entendu le coup de sifflet. Allez, non. Bonjour à Benjamin Urdapileta qui nous regarde de l'Argentine. Avec bon courage à toi, Benjamin, pour ce match. En espérant que tu sois titularisé. Et que tu ailles surtout à la Coupe du Monde, ça. Et que tu représentes fièrement le Castre Olympique. Allez, si moi je pourrais lui dire Anda Burro, forza Burro. Il va comprendre pourquoi quand je lui dirai ça. C'est ce qu'il dit à l'entraînement quand il faut, il rate. Allez, bien joué du côté de Lucas Tareg. Fait une fausse croisée avec Emerson. Jimeno, au large. Qui avance. Et Tarek, d'habitude, qui peut jouer centre aussi, du côté castré. Hein. Allez, on essaye de faire vivre ce ballon. Allez, on va repartir grand côté. Allez, on refixe avec Nkinsi. Nkinsi, ouais. Allez, on continue du côté castré. Tartra. Allez, Roby. Au large. Allez, qui s'échappe. Crochet. Allez, on y va. Allez, de l'axe. Il faut ramasser le ballon. Dans l'axe, voilà, Baptiste de la porte. C'est ce qu'il fait. Bien plaqué quand même, bien retourné. Allez, Jérémy. Ouais, attention, il conserve le ballon. Là il va falloir le donner. Ah non, c'est fait pour rendre le ballon. Qui ramasse le ballon. Allez, Sozari qui touche. Allez, ballon en avant. Allez, on se couche dessus, très bien. Allez, Sozari. Oh, je suis jaloux, ça passe. J'aurais bien aimé la faire, celle-là. Geoffrey Palis. Ouf. Allez, on conserve le ballon. Ouh, Jimeno, il s'est préparé. Il y avait deux gros plaqueurs en face de lui. Jimeno avec Dorian Clair. Venir jouer, peut-être grand côté. Allez, bien joué pour Paul Sozari. Dommage, j'aurais pu faire la passe pour Okpatin. Jérémy Fernandez, ça va jouer au large pour Tatra. Allez, on conserve toujours le ballon du côté de Castré avec Antoine Utichit.
Ça vient gratter là, ouais. C'est dommage. Là. Non, mais on a toujours le ballon. Ah non, c'est le ouais, voilà. C'est attention. Normal. C'est normal. Là, c'était très très bien gratté côté côté voilà, Montois. Benjamin. Allez, continuité venu, là pour empêcher. Continuité action. Du jeu. Allez, on écarte. Cribache. Oh, ballon, dommage. Alors, il avait tenté l'impossible. Bonjour à Loïc Jacquet qui chambre un peu. Je disais bonjour à Loïc Jacquet qui regarde aussi le match. Il peut nous donner des nouvelles de sa blessure. Ouais, et qui chambre Benjamin. Hein. Prépare ton match. Et on le disait, hein. On le disait que le Stade Montois, avec des approximations, à l'image de cette action, hein, n'arrive pas à concrétiser les offensives et perdent la possession du ballon sur des approximations, des passes hasardeuses. Alors John Decoeur, a trouvé une nouvelle expression, les rugbyx. Alors ouais. Explique-nous. Alors je connais les footix, donc je suppose que la rugbyx c'est la même chose. Mais dis-nous pourquoi tu nous traites de rugby, que ça nous écoute, hein, on est. Allez, on sur Robin Everson. Allez, on garde toujours le ballon, côté Castré, Jérémy, sur Tatre. Allez, qui donne un coup de pied à suivre. Dans l'angle, à l'angle, là-bas. À la course, on est un peu en retard du côté Castré, voilà. Mais on va venir gêner. On écarte, grand côté, attention, bah on va essayer sur, de remonter. Baptiste, il est tombé sur Baptiste de la Porte. Ouais, Baptiste de la Porte lui a refermé. Je vais pas la faire. Hey, joli, vous la ferez, vous la ferez pour moi. Ah, mais attention, joué, dommage. Là, c'est mal défendu, allez, la part de Benjamin. Il y a un petit coup, il y a une pénalité au point de chute. Oh, eh ouais, logique. Logique, la faute au casse-rez. Il pourra nous ralentir. Mais pour moi, il veut vraiment venir au contraire, il n'est pas venu gêner le joueur. Ah non, je pense que c'est pas un il était dans la course. Ouais, il le gêne, hein. Il va dans la course, il lui donne un coup d'épreuve. Ouais, j'écoutais, je sais pas, j'ai pas d'avis sur ça. Il y a faute logique, hein, parce qu'il va jamais au ballon. Et là, on voit bien qu'on n'est pas sur de l'arbitrage maison. Ouais. Et que l'arbitre. Alors, par contre, grosse erreur défensive de Benjamin Lapeyre, quand même, qui est venu défendre. Qui est venu défendre sur le joueur qu'il fallait pas. Il a laissé son ailier libre. Voilà, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, on se nourrit des fautes Castres et côté Montois pour trouver une touche à 10 mètres de la ligne Castres. Et du coup, on a une touche sur la ligne des 5 mètres pour Mont-de-Marsan. Allez, on conserve le ballon, on essaie de l'ouvrir, on se reconstruit. C'est la molle, on avance. Hein. Attention, là, ouais, je pense, voilà. Allez, là, le bras tendu par monsieur l'arbitre. Il y aura une pénalité en cours. Non, pas de on n'est pas loin. Allez, je pense que ça va y aller là. Un petit coup de pied sur l'angle opposé sur le 22, non, qu'ils ont encastré. Bien défendu, Tarin, très bien. Par Geoffrey Palissa. C'est Geoffrey Palissa. Il y avait un avantage en cours, c'était dans l'idée, c'était bon. Dans la réalisation, mais malheureusement, c'était un peu trop sur le défenseur c'est castré. C'est joué au pied, c'est un contre un. Après, c'est très intéressant. Bon, après, c'est Geoffrey Palissade, donc un des meilleurs. Mais là, sur le coup, si vous regardez bien l'action au ralenti, l'arrière est quand même en reculant, alors que l'attaquant regarde le ballon. Hein. Donc, c'est beaucoup plus facile à attaquer qu'à défendre ces actions-là. Et c'est très bien défendu côté castré. Allez, un ballon capté par les jaunes et noirs. Et ça essaie. De Mont-de-Marsan. Essai du numéro 7, peut-être, me semble-t-il. Alors, le 7, ça serait Bretous, mais est-ce qu'il n'y a pas un numéro 7, Braillère, peut-être. Qui est rentré. Qui est rentré à la place de l'autre numéro 7. Oui, exactement. Voilà, c'est ça, Braille. Après, superbement joué la petite touche. Hein. Ah oui, là, dans l'action, il n'y a rien à dire. Hein. C'est bien attaqué. Après, c'est compliqué à défendre hein, pour n'importe quelle équipe, hein, à l'image de l'essai de l'ancien numéro 8. L'ancien numéro 8 de Castres pour le troisième essai castré. Ah. Gelon, Anthony Gelon. Voilà, j'avais plus la chose en tête.
Alors est-ce que ça va passer à côté. Ça passe à côté. Le match est terminé. Ça passe à côté. Apparemment le match est terminé. Allez. Et voilà. Victoire du Castres Olympique sur le score de 29 à 12. On s'est régalé, hein, tout le match quand même, il y a eu ouais, des essais. Match, ouais. Il y a eu des essais, il y a eu de. La nuit tombante a fait du bien quand même parce que la chaleur est tombée. Ouais. C'est beaucoup plus facile à jouer que le match précédent. Ah, une belle prestation, on va dire, pour le Castres, pour leur premier match officiel. Bon, il y a bien sûr des choses à améliorer, notamment sur la touche. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour les interviews. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis en direct. Et on se retrouve pour le prochain direct à la CON. C'est ça, dans une semaine. Dans une semaine, oui. Contre Bristol Bears. Allez, merci de nous avoir suivis, d'avoir été nombreux ce soir encore. Et à la semaine prochaine. Et dans quelques minutes, restez sur notre page Facebook. Il y aura certainement quelques interviews. Et en direct. Salut.